Nous allons voir dans cette vidéo le corrigé détaillé du devoir maison numéro 1 dans le module réseau IP. Alors, nous avons au niveau de ce devoir maison une architecture physique, donc un réseau, ou bien ce qu'on peut dire aussi une interconnexion de réseau, qui est constituée de 10 routeurs, de 31 PC et de 11 commutateurs. C'est en réalité le réseau physique. On a aussi une autre information qui est l'adresse IP réseau mère, qui est la 149.77.16.0/22. Donc ça représente le réseau logique. Donc on a le réseau logique et le réseau physique. À nous de faire toute la configuration pour faire en sorte que la connexion soit établie au niveau de ce réseau. La première question est de convertir l'adresse IP donnée en binaire. Pourquoi en binaire? Parce que l'adresse IP, elle prend son sens en binaire. Donc quand on a une adresse IP en décimale, c'est juste pour pouvoir la lire, pour pouvoir la manipuler en tant qu'être humain. Mais sinon, le sens réel d'une adresse IP, c'est en binaire. Donc pour faire la traduction, ou bien la conversion, donc on va convertir chaque octet à part. Donc on va d'abord saisir l'adresse IP. Donc c'est 149.77.16.0/22/22, c'est le masque en notation CIDRE, veut dire qu'on a 22 bits pour la partie réseau et 32 moins 22 bits pour la partie machine. Alors première question, c'est la conversion. Alors on va convertir chaque octet à part. On commence par 149. Alors il faut écrire 149 sur 8 bits. Donc 149, en réalité, c'est 2 à la puissance 7 qui est 128, plus 2 à la puissance 4 qui est 16, plus 2 à la puissance 2 qui est 4, plus 2 à la puissance 0 qui est 1. Donc 128 plus 16 plus 4 plus 1 égale à 149. On va écrire ces chiffres-là, donc c'est égal à 128 plus 16 plus 4 plus 1. Et en binaire, ça va donner, donc pour le bit positionné à 128, il va y avoir un 1. Pour le bit pour 64, ça sera égal à 0. 32, c'est égal à 0. 16, c'est égal à 1. 8, c'est égal à 0. 4, c'est égal à 1. 2, c'est égal à 0. Et 1, c'est égal à 1. Donc 149 en binaire, ça nous donne ce chiffre-là. On va convertir le 77. Donc 77, c'est égal à 64 plus 8 plus 4 plus 1. Et en binaire, ça va nous donner donc le bit 2 à la puissance 7, il sera égal à 0, donc le 128. Le 64, il sera égal à 1. Le 32, il sera égal à 0. Le 16, il sera égal à 0. Le 8, il sera égal à 1. Le 4, il sera égal à 1. Le 2, il sera égal à 0. Et le 1, il sera égal à 1. Donc 77 en binaire nous donne ce chiffre-là. Le 16, donc 16, c'est égal à 16. Et en binaire, on va juste positionner le bit 16, qui est le 2 à la puissance 4, à 1. Donc 128, c'est 0. 64, c'est 0. 32, c'est 0. 16, c'est 1. Et le reste, ce sont des 0. Le 0 en binaire, c'est 0. Donc il n'y a aucun bit sur les 8 bits qui n'est positionné à 1. Et donc, l'adresse IP en binaire, ça va être ces 4 groupes séparés par des points. Donc point 1, on écrit le 77 en binaire. Point le 16 en binaire sur 8 bits. Point 80. Et maintenant quand je dis adresse IP slash 22, ici je vais supposer que les 22 bits en commençant à compter à partir de la gauche sont dédiés à la partie réseau. Donc vous avez 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. Donc vous avez ces bits-là qui sont réservés à la partie réseau
et ces bits-là qui sont réservés à la partie machine. Donc notre réseau logique, il aura pour identifiant ces 22 bits-là. Veut dire que toutes les adresses IP de tous les équipements au niveau de la topologie donnée auront ces 22 bits de fixés. Il y aura une variation au niveau des bits de la partie machine. Pour dire que tout notre réseau physique, tous les équipements qui constituent notre réseau physique, auront des adresses de ce réseau logique qu'on nous a donné. Donc voilà pour la première question. Au niveau de la deuxième question, on nous demande de relever des informations concernant l'adresse IP qu'on nous a donnée. Donc on nous demande de donner le masque en binaire et en décimal et en notation CIDR. On nous demande de donner le nombre de bits de la partie réseau et le nombre de bits de la partie machine. On nous demande de donner le nombre de machines. On nous demande l'adresse IP de diffusion réseau et la plage d'adresse IP utilisable. Pour le masque, du moment qu'on a l'information slash 22, donc on peut tirer le masque, que ce soit en binaire ou bien en décimal ou bien en notation CIDR. Donc, le masque. Pour rappel, la définition du masque, c'est une adresse IP, il a la forme d'une adresse IP en décimale. Le masque sert à délimiter la taille de la partie réseau et la taille de la partie machine au niveau d'une adresse IP. Donc une adresse IP, on ne peut pas la proposer sans un masque. Donc il faut toujours faire accompagner une adresse IP par un masque pour pouvoir connaître quelle est la taille de la partie machine et quelle est la taille de la partie réseau. On nous a donné cette information-là, donc on nous a donné un slash 22, veut dire qu'on a 22 bits pour la partie réseau. Et donc, ça sera une succession de 1. On aura 22 1. Donc ici, on a 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Et le reste, ça sera des 0. Le reste, ça sera combien? Ça sera 32 moins 22. En réalité, ça sera les 10 derniers bits. Donc vous aurez ici 20.80. Donc ça, c'est le masque en binaire. Au niveau du masque, comme j'ai dit, ça a la forme aussi d'une adresse IP. Vous devez avoir que des 1 au niveau de la partie qui est à gauche et que des 0 au niveau de la partie qui est à droite. Par exemple, au niveau d'un masque, on ne peut pas avoir ça. On a une succession de 1 à partir de la gauche, suivi d'une succession de 0. Donc voilà pour le masque en binaire. Maintenant, le masque en décimal, il suffit juste de convertir ces groupes de 8 bits en décimal. Donc au niveau de la conversion du binaire vers le décimal, on ne convertit pas toute la suite des 32 bits en binaire directement en décimal. On va traduire chaque groupe à part. Donc le premier groupe, on a 8-1, c'est équivalent à 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. Pourquoi? Parce qu'on a des 1 positionnés au niveau des 8 bits. Et donc ça nous donne, cette somme-là va nous donner 255. Point 255. Point ici, on a 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4. Le 2 et le 1, ils ne sont pas comptabilisés. Donc si on veut, c'est 255 moins 3. Et ça nous donne 252. Et bien sûr, 80, c'est équivalent à 10 en décimal. Et donc le masque en décimal, c'est 255.255.252.0. On nous demande aussi le masque en notation CIDR. Donc je rappelle, la notation CIDR, c'est un slash suivi du nombre de bits de la partie réseau. Et cette information-là, elle a été donnée au niveau de l'exercice. Donc on nous a donné ici le slash 22, et le slash 22, c'est la notation, c'est le masque en notation CIDR. Donc directement, on va juste écrire slash 22. Donc voilà pour les informations concernant le masque. On nous demande par la suite le nombre de bits de la partie réseau et le nombre de bits de la partie machine. Alors, le nombre de bits de la partie machine, ou bien l'identifiant partie réseau, pardon. Donc on dit partie réseau ou bien identifiant réseau. Donc le nombre de bits de la partie réseau, donc on peut déduire ces informations-là à partir du masque. Donc du moment qu'on a
22,1 pour la partie réseau veut dire que le nombre de bits de la partie réseau, c'est 22 bits. Maintenant, le nombre de bits de la partie machine. Donc, pour pouvoir extraire cette information à partir du masque, on peut soit compter le nombre de zéros qu'on a au niveau du masque ou bien faire cette opération-là. Donc, 32, qui est la taille de l'adresse IP au complet, moins la taille de la partie réseau, qui est 22. Donc, 32 moins 22, ça nous donne 10 bits. Donc, la taille de la partie machine, elle est sur 10 bits. En réalité, regardez, vous avez 8 bits plus 2 bits qui sont ici. Ça nous donne 10 bits. Prochaine question, on nous demande le nombre de machines. Alors, le nombre de machines, en réalité, c'est le nombre d'adresses IP qu'on peut affecter aux équipements réseau au niveau de la topologie. Donc, pour pouvoir trouver ce nombre-là, pour rappel, au niveau de l'adresse IP, on a ces bits-là qui sont fixés. Donc, au niveau des adresses IP, on ne va jamais changer les bits qui sont au niveau de la partie réseau. Les bits qui vont varier, ce seront ces bits-là. Et donc, au fur et à mesure que ces bits varient, on va avoir un certain nombre de machines. Aussi, les machines au niveau d'un réseau, elles auront des adresses IP uniques. Donc, au niveau d'un réseau, je rappelle, les adresses IP, elles sont uniques. Et donc, le nombre de machines, si on suit la règle, c'est 2 à la puissance nombre de bits de la partie machine. Donc, vous aurez... Si on peut faire une explication ici. Donc on a 10 bits. Donc ici on a le point. Donc ça va varier de 10 0 jusqu'à 10 1. Sauf que une machine, on ne peut pas lui attribuer une adresse IP où la partie machine égale à 0. Pourquoi? Parce que une adresse IP où la partie machine égale à 0, c'est équivalent à l'adresse réseau. C'est une adresse qu'on ne peut pas attribuer à une machine. Si on a aussi des 1 au niveau de la partie machine, donc on n'a que des 1, c'est équivalent à l'adresse de diffusion réseau. Et l'adresse de diffusion réseau aussi, c'est une adresse qu'on ne peut pas attribuer à une machine. Et donc, on devrait exclure ces deux adresses-là. Ici, vous avez bien évidemment des pointillés. Vous avez une variance de 10 0 jusqu'à 10 1. Sauf qu'on doit faire un moins 2. Moins 2 pour dire qu'on exclut la première adresse où il n'y a que des 0 et la dernière adresse où il n'y a que des 1. Et ça va nous donner donc 2 à la puissance 10. Parce qu'on a 10 bits pour la partie machine qu'on a trouvé au niveau de la question précédente. Moins 2. Et ça nous donne 1024, de la puissance 10 c'est 1024, moins 2 c'est 1022 machines. On peut dire machine, on peut dire aussi hôte. Des hôtes au niveau du réseau, ou bien des machines au niveau du réseau. En réalité, c'est des cartes réseau. Donc, tout équipement qui possède une carte réseau ou plus doit se voir attribuer une adresse IP. Et donc, au niveau de la topologie qu'on nous a donnée, et suivant le réseau logique qu'on nous a données comme au niveau de l'énoncé, on peut avoir au niveau de ce réseau logique au maximum 1022 machines. Prochaine question. On nous demande de donner l'adresse IP de diffusion réseau. Alors, l'adresse IP de diffusion, c'est aussi une adresse IP, comme j'ai dit, qu'on ne peut pas attribuer à une adresse d'une machine. À une machine, pardon. Et l'adresse IP de diffusion, c'est une adresse IP. Donc, on garde toujours la même partie réseau, sauf qu'au niveau de la partie machine, on va mettre que des 1. Donc, ça sera équivalent à ça. Donc, on garde, on reprend l'adresse IP réseau logique. Du moment qu'on a une partie réseau sur 22 bits, veut dire qu'on a cette partie-là qu'on ne devrait pas manipuler ou bien modifier. Donc ça c'est la partie réseau, ça c'est la partie machine. Et si on suit la définition, on devrait mettre des 1 au niveau de la partie machine. Il suffit juste
de remplacer la partie machine où il y a des 0 par des 1. Donc on a dit 1 à la fin. Et si on traduit cette adresse IP en décimale, donc ça va nous donner 149.77. Point. Donc les deux premiers octets, ils ne changent pas parce qu'ils font partie de la partie réseau. Par contre, le troisième octet, il va changer. Pourquoi ? Parce que il y a certains bits au niveau de cet octet qui appartiennent à la partie réseau et il y a certains bits qui appartiennent à la partie machine. Du moment qu'il y a certains bits qui appartiennent à la partie machine, et donc on a mis des 1 au niveau de cette partie. Donc on a en réalité ajouté ici 1 plus 1 et 1 plus 2. Donc on a fait ce qu'il y avait déjà. Donc c'était 16 plus 2 plus 1. Donc 16 plus 2 plus 1, ça nous donne 19. Point 81, c'est équivalent à 255. Et donc 149.77.19.255, c'est l'adresse IP de diffusion réseau, bien sûr, slash 22 pour dire que on a 22 bits pour la partie réseau et 10 bits pour la partie machine. Donc voilà l'adresse IP de diffusion. L'adresse IP de diffusion, c'est une adresse IP qu'on utilise pour pouvoir diffuser un message au niveau d'un réseau logique. Ça veut dire que si au niveau d'un paquet, on met comme adresse IP de destination cette adresse IP, toutes les machines appartenant à ce réseau logique, donc toutes celles qui sont au niveau de ce réseau logique, toutes les machines actives ou bien toutes les adresses IP utilisables, elles vont recevoir le message que j'envoie. Donc je diffuse mon message à tout mon réseau logique. Prochaine question, on nous demande de donner la plage d'adresse IP utilisable, donc sous ce format-là, donc de la première adresse jusqu'à la dernière adresse. Une adresse IP utilisable, c'est-à-dire que c'est une adresse IP qu'on peut donner à une machine au niveau du réseau. Les adresses IP, qu'on peut donner à des machines au niveau d'un réseau, ce sont des adresses IP où la partie machine n'est ni égale à 0, ni égale à 1. Donc, il faut toujours exclure l'adresse IP réseau et l'adresse IP de diffusion. Donc, si on veut écrire en détail, on va reprendre l'adresse IP en binaire. Donc, vous remarquez que pour trouver toutes les réponses aux questions qu'on nous demande, il a toujours fallu traduire l'adresse IP en binaire pour pouvoir comprendre quel est le sens de partie réseau, partie machine, etc. Si on regarde ici au niveau de l'adresse IP, on nous dit slash 22, ici, ce n'est pas évident de trouver la partie réseau de la partie machine. Ça aurait été facile si c'était un slash 8, slash 16 et slash 24. Pourquoi ? Parce que ça sera des octets en entier qui seront attribués à des parties. Pour un slash 22, par exemple, au niveau de cet octet-là, donc il y aura des bits qui vont appartenir à la partie machine et des bits qui vont appartenir à la partie réseau. Donc la plage, donc du moment qu'on a partie réseau 22 bits et partie machine 10 bits, on va reprendre le découpage. Voilà. Donc la partie machine, comme j'ai dit au niveau de la plage, il ne faut pas qu'elle soit égale à 0, il ne faut pas qu'elle soit égale à 1. Donc on ne peut pas avoir 10 0 ou bien 10 1. Donc ça va commencer de 1 ici jusqu'à... Donc la dernière adresse, normalement, c'est l'adresse de diffusion, où il y a 10 1 à la fin. Sauf qu'il ne faut pas qu'il y ait 10 1. Voilà. Le dernier bit, il sera positionné à 0. Donc voilà la plage d'adresse IP utilisable. Et si on convertit en décimale, ça va nous donner, donc ici, c'est 149.77.16. On a mis un 1 ici, donc ça sera 0.1 jusqu'à toujours 149.77. Point. Ici, c'est 16 plus 2 plus 1, c'est 19. Point. Ici, c'est 255 moins 1, donc 254. Donc voilà la plage d'adresse IP utilisable au niveau de ce réseau. Donc on peut avoir cette information comme j'ai fait ici. Donc on ajoute un 1 au niveau de la partie réseau et on met le dernier bit à 0 au niveau de où il n'y a que des 1. Sinon, en réalité, c'est l'adresse IP réseau plus 1 jusqu'à l'adresse IP de diffusion moins 1. Adresse IP réseau, c'est 16.0, donc plus 1, ça donne 16.1. Et adresse de diffusion, c'est 19.0.
255 moins 1, ça va nous donner 19.254. Voilà, donc si on a l'adresse IP réseau et l'adresse IP de diffusion, la plage, c'est ce qu'il y a entre ces deux-là. Donc plus 1, adresse réseau, jusqu'à adresse diffusion, moins 1. Donc voilà les informations qu'on a pu déduire à partir de cette donnée-là. Donc à partir de ça, on a pu trouver le masque, que ce soit en décimal, en binaire, en notation CIDR, le nombre de bits de la partie réseau et de la partie machine, le nombre de machines, l'adresse IP de diffusion et la plage d'adresse IP utilisable. On passe à la deuxième partie du devoir. On nous dit, on désire avoir à partir de cette adresse IP réseau, X sous-réseau, et selon la topologie donnée, donner le nombre de sous-réseaux que contient l'architecture avec, bien sûr, la justification. Puis après, on donne pour chaque sous-réseau, même chose, donc le masque, le nombre de bits de la partie sous-réseau, machine, le nombre maximal de sous-réseaux et de machines. Alors, pour pouvoir extraire le nombre de sous-réseaux, il faut se référer à l'architecture réseau qu'on nous a donnée. Donc, comme j'ai dit avant, elle est constituée de 31 PC, de 10 routeurs et de 11 commutateurs. Ce qu'on sait, c'est que les routeurs, qui sont les équipements des niveaux 3, c'est eux qui permettent de délimiter les sous-réseaux entre eux. Pourquoi ? Parce que un routeur, il est censé relier des réseaux entre eux, contrairement à un commutateur qui est censé relier des équipements réseau, donc les équipements d'un réseau local. Donc, il faut d'abord, à travers cette architecture-là, délimiter le nombre de sous-réseaux. On va commencer à délimiter au niveau de cette topologie. On commence par routeur 0. Du moment qu'il a trois interfaces actives, veut dire que ces trois interfaces appartiennent à des réseaux IP logiques différents. Et donc, chaque interface, elle va appartenir à un réseau. Premier sous-réseau, ça sera PC29 avec l'interface du routeur. Ça, c'est un sous-réseau. Ça aussi, c'est un sous-réseau. Donc, l'interface plus le commutateur qui est relié aux trois PC. On a aussi l'interface plus les 4 PC, sans oublier l'interface du routeur numéro 1 et le PC 1 qui est en haut. Ici, on a au niveau de. Donc, on a fini avec routeur 0, on est maintenant au niveau du routeur 1. Il a 5 interfaces actives et donc. Pardon, il a 6 interfaces actives et donc il devrait relier 6 sous-réseaux entre eux. Donc, on a déjà trouvé le premier. Le deuxième, c'est le PC avec son interface. Le deuxième, ça sera également la même chose. Le troisième pareil, PC19 avec l'interface. Toujours, la règle à suivre, c'est que les interfaces d'un routeur doivent obligatoirement appartenir à des réseaux IP différents. Ici, on a une liaison point à point. Ça forme un réseau. Donc ici, il n'y a pas de PC. C'est ce qu'on appelle un réseau point à point. Au niveau de ce réseau, on a besoin uniquement de deux adresses IP. Et la dernière interface, on remarque qu'il y a deux commutateurs qui sont reliés à deux PC chacun. Et donc les deux commutateurs, les 4 PC et l'interface vont former un réseau. Comme ceci. Voilà. Ça c'est pour le routeur 1. On passe maintenant au routeur 3. Donc il y a 4 interfaces. Donc il est supposé relier 4 sous-réseau, le premier, le deuxième, c'est un point à point, le troisième, c'est un PC relié à son interface, et le quatrième, c'est un réseau point à point. Donc voilà pour routeur 3. Routeur 4, donc routeur 4, routeur 2 et routeur 5, on les traitera après. Juste au niveau de routeur 5, on a un réseau qui est apparent. Donc c'est celui-là. On a aussi celui-là. Donc deux interfaces
de deux routeurs connectés à un commutateur qui est lui-même relié à un PC, ça forme un sous-réseau. On a ici un réseau point à point, même chose ici. Même chose ici, une interface avec un seul PC relié à, via un câble croisé. Donc la ligne discontinue, pour rappel, au niveau de packet tracer, ça représente le câble paire torsadé croisé. Pourquoi croisé? Parce que le routeur et le PC, c'est vrai que le PC il est de niveau 7 selon le modèle OSI, le routeur est de niveau 3 selon le modèle OSI. C'est vrai qu'ils sont de différents niveaux, mais tous les deux, ils sont de niveau logiciel. Et tous les équipements qui sont de niveau logiciel, on doit les relier via un câble croisé. Ici, vous avez un réseau point à point. Et le dernier réseau, c'est le PC22 avec l'interface du routeur 6. Voilà. Voilà, donc ça c'était, si on veut, facile à déterminer. Donc les sous-réseaux ici étaient faciles à déterminer. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on a trois routeurs, routeur 2, routeur 4, routeur 5, qui sont en même temps reliés via des commutateurs en cascade. Et chaque commutateur, il est relié à plusieurs PC. Alors, le problème, il se pose, donc pas au niveau, pas à ce stade-là, c'est-à-dire que, par exemple, ici, PC 20, il est relié aux trois routeurs en même temps. Donc, il y a un chemin pour aller, que ce soit au routeur 5, 4 ou bien 2. Le problème, c'est que PC 14, bien n'importe lequel ici, PC 14, il est relié à cette interface. Il est relié aussi à cette interface via ce chemin. Il est relié à cette interface via le passage de 4 commutateurs. Et aussi à cette interface si on passe par ce commutateur. Si on veut le PC, il est relié aux quatre interfaces du routeur. Ici, c'est pas évident de délimiter les sous-réseaux au niveau de cette partie de la topologie. Donc ça, c'est la partie la plus, si on veut, difficile, où on doit déterminer les sous-réseaux. La règle à suivre dans ce cas-là. Donc, on connaît la règle. Au niveau d'un routeur, toutes les interfaces du routeur qui sont actif. Donc on a ici, donc on va traiter uniquement la partie qu'on n'a pas encore délimitée. Donc c'est vrai ici qu'on a 5 interfaces actives, mais bon, cette interface, on connaît son sous-réseau, c'est bon. On a ici 4 interfaces. Du moment qu'on a 4 interfaces, veut dire qu'obligatoirement, ces 4 interfaces doivent appartenir à des réseaux logiques différents. En même temps aussi différents des sous-réseaux qu'on a pu délimité au niveau de la topologie, de la grande topologie. Donc on a ici 4 sous-réseaux. On a celui-là, on a celui-là, et celui-là, et celui-là. Le problème maintenant qui va se poser, chaque interface donc, appartient à un sous-réseau distinct. Donc au niveau de ces 4 sous-réseaux, au niveau du routeur 4 qu'on a pu délimiter, quels seront les équipements qui vont appartenir à chaque sous-réseau. Ici, c'est pas évident. Par exemple, pour ce premier sous-réseau, on aurait pu dire que tout va appartenir. Tous les commutateurs, tous les PC. Pourquoi? Parce que tous les PC, ils sont reliés à toutes les interfaces de ce routeur. Donc, quand on a ce cas de figure, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le routeur qui a le plus d'interfaces, le maximum. Donc, celui-là, il en a 4. Celui-là, il en a une. Donc, on parle uniquement toujours de cette partie-là. Et celui-là, il en a 2. La règle, c'est prendre le routeur qui a le plus d'interfaces actives et ça sera le nombre d'interfaces de ce routeur qui va constituer le nombre de réseaux au niveau de cette partie. Donc, au niveau de cette partie, on va ajouter 4 réseaux. Et donc, il y aura 4 sous-réseaux. Sauf que les 4 sous-réseaux qu'on va ajouter ici, il y a plusieurs solutions. Donc, premier sous-réseau, il peut prendre en considération 3 PC, ou bien un PC, ou bien aucun. Deuxième sous-réseau, il peut prendre n'importe quel PC au niveau de cette partie de la topologie, donc soit plusieurs, soit 1, soit 2, soit 3, ou bien le max. L'interface, la troisième interface et la quatrième interface, de même. Maintenant, les deux interfaces qui restent, celle-là,
celle-là et celle-là. Les trois aussi, elles peuvent appartenir à n'importe quel sous-réseau au niveau du routeur numéro 4. Si on a fait en sorte que cette interface appartienne à ce sous-réseau, donc cette interface, elle aura l'adresse IP du même sous-réseau que cette interface. Donc ici, à ce stade-là, on ne va pas continuer à délimiter. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs solutions qui peuvent être proposées dans le cadre de la solution de cet exercice. Ce qu'il faut juste retenir, c'est qu'on doit obligatoirement avoir 4 sous-réseaux distincts. Si par exemple, on peut se poser la question si au niveau de ces deux interfaces, on va encore créer un sous-réseau ici, et un sous-réseau ici, et un sous-réseau ici. Si par exemple, on va dire que le nombre maximal de sous-réseaux, ça sera le nombre d'interfaces de tous les routeurs. Ici, c'est faux. Pourquoi ? Parce que si on a ce routeur qui appartient à un autre sous-réseau, et donc, il ne sera jamais relié à un autre réseau. Donc, on est supposé ici être au niveau d'un même réseau local si on suit la définition. Et quand on est au niveau d'un même réseau local, on doit au moins avoir un chemin de commun. Donc, si on a un sous-réseau ici au niveau de routeur 4, au niveau de routeur 5, on doit avoir une adresse au moins de un de ces 4 sous-réseaux. Si on a un nouveau réseau, c'est comme si on n'est pas lié d'un point de vue logique. Et donc ici, on aura un problème au niveau de la connectivité. Donc, on peut s'arrêter uniquement à ça. Après, quand on va réaliser la topologie, on va opter pour une des solutions possibles. C'est-à-dire que, par exemple, on va faire en sorte que ces deux PC appartiennent au premier sous-réseau, ces trois PC appartiennent au deuxième sous-réseau, ce PC appartient au troisième sous-réseau, et le reste, les trois derniers PC, appartiennent au quatrième sous-réseau. Et pour les interfaces, on va faire aussi au choix. Donc on a plusieurs solutions au niveau de cet exercice. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le nombre de sous-réseaux. Donc on a 1, 2, attendez, on va essayer de colorer pour ne pas se perdre. Donc on a 1, donc ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, et ici on a oublié le 22e sous-réseau. Donc c'est celui-là. On l'a oublié. Donc on a normalement 22 sous-réseaux sans compter cette partie. Et du moment que j'ai dit qu'on peut avoir 4 sous-réseaux au maximum, on doit obligatoirement avoir 4 parce qu'on a 4 interfaces actives au niveau d'un même routeur. Et du moment qu'on a 4 interfaces actives au niveau d'un même routeur, veut dire que ces 4 interfaces doivent obligatoirement appartenir à 4 réseaux ou bien sous-réseaux logiques différents. Pourquoi ? Si on met une adresse IP d'un sous-réseau ici, et on va donner à la deuxième interface une adresse IP du même sous-réseau que le premier, ça va nous afficher une erreur. Il va nous dire que vous êtes en train de saisir au niveau de cette interface une adresse IP qui fait partie du même réseau logique que l'interface précédente. Or, le routeur, il est censé relier des réseaux distincts entre eux, et donc c'est pour ça qu'obligatoirement, les 4 interfaces actives ici doivent appartenir à 4 réseaux logiques différents. Donc 22 plus 4, ça nous donne 26 sous-réseaux. Au niveau de cette topologie, on a 26 sous-réseaux. Donc on revient à l'énoncé. Donc d'après la topologie donnée, on a pu trouver le nombre de sous-réseaux. Donc on nous dit combien de sous-réseaux contient l'architecture. Donc la deuxième partie. Alors, le nombre de sous-réseaux. Donc on a 26 sous-réseaux. Deuxième question. Données pour chaque sous-réseau et tout en justifiant ces informations-là. On nous demande le masque de sous-réseau en binaire, en décimal
et en notation cidre. Donc, le masque sous réseau, cette fois-ci. Donc, l'idée, c'est quoi au niveau des sous-réseaux? On a une adresse IP mère, slash 22. On a une architecture réseau qui est constituée de 26 sous-réseaux. Du moment qu'on a 26 sous-réseaux, ça veut dire que chaque sous-réseau, il devrait avoir son adresse IP réseau, sa plage d'adresse IP et son adresse de diffusion sous-réseau. Donc, l'idée, c'est d'avoir 26 adresses sous-réseau. Or, on a une seule adresse IP logique au niveau de l'exercice. L'idée, c'est de prendre cette adresse IP et de la découper en 26 sous-réseaux. Pour le découpage, on a donc au niveau, donc avant de donner la réponse, donc on a toujours une partie réseau suivie d'une partie machine. Donc si on reprend l'adresse IP réseau pour mieux comprendre, donc ça, c'est l'adresse IP mère. Voilà, donc elle est de slash 22, veut dire qu'on a 22 bits pour la partie réseau. Donc c'est ça. Et ça, c'est la partie machine. Alors, on a dit que la partie réseau, elle ne change pas pour tout le réseau logique. On va découper cette adresse IP réseau en plusieurs sous-réseaux. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de prendre des bits de la partie machine, donc c'est les bits qu'on peut manipuler, prendre des bits à partir de la gauche, donc à partir d'ici, et ces bits-là, on va les attribuer à la partie qu'on appelle partie sous-réseau. Ça veut dire que quand on va découper, donc le découpage va impliquer qu'on va garder la même partie réseau, parce qu'on ne peut pas toucher cette partie. C'est la partie de l'adresse IP qui est la même pour tous les équipements au niveau du réseau logique et du réseau physique. La partie machine ici, on va découper. On va prendre une partie pour ce qu'on appelle la partie sous-réseau et on aura une nouvelle partie machine. Donc la partie machine ici, ça sera la partie machine du sous-réseau et non pas la partie machine de l'adresse IP mère. Maintenant, quel est le nombre de bits de cette partie sous-réseau? Tout dépend le nombre de sous-réseaux qu'on veut créer. On veut créer 26 sous-réseaux. Donc 26 sous-réseaux, ça implique quoi? Ça implique qu'il nous faut 5 bits au maximum. Donc, pour pouvoir adresser 26 sous-réseaux. Pourquoi 5 bits? Parce que le chiffre 26, donc il faut prendre le nombre de sous-réseaux et le mettre entre deux chiffres avec des puissances. Donc 26, il est compris entre 2 à la puissance 4 et 2 à la puissance 5. Donc c'est strictement inférieur à 26. Donc 2 à la puissance 4, c'est 16, pardon. Et c'est aussi strictement inférieur, donc 26 est strictement inférieur à 2 à la puissance 5, qui est 32. Donc 26 est compris entre 16 et 32. Donc si on prend 4 bits, on ne pourra adresser que 16 sous-réseaux. Or, on a besoin d'adresser 26 sous-réseaux, donc on devra prendre 5 bits pour la partie sous-réseau pour pouvoir adresser au maximum 32 sous-réseaux. Du moment qu'on a besoin de 26 sous-réseaux uniquement, on aura 6 sous-réseaux qui ne seront pas utilisés. Donc on pourra les utiliser si on veut étendre notre réseau, si on veut ajouter encore d'autres sous-réseaux. L'essentiel, c'est qu'on ne peut pas excéder 32 sous-réseaux. Si on excède 32 sous-réseaux, il faudrait avoir une partie réseau sur plus de 5 bits, donc 6 bits, 7 bits, donc tout dépend de ce qu'on veut faire. Donc on va prendre en réalité 5 bits ici, à partir de la gauche au niveau de la partie machine de l'adresse IP mère, qu'on va affecter à la partie sous-réseau. Donc si on reprend l'adresse IP ici, donc ça on est toujours au niveau du découpage, donc on aura comme partie réseau
5 bits, donc cela. Et ça, ça sera la partie machine du sous-réseau. Et donc, pour le sous-réseau, donc l'un des 26 sous-réseaux qu'on va créer, la partie réseau, ça ne sera pas uniquement la partie réseau de l'adresse mère, mais ça sera aussi la partie sous-réseau. Donc, ça sera la partie réseau de l'adresse mère plus la partie sous-réseau. Et donc, la partie réseau pour le sous-réseau, ça sera tous ces bits-là. Donc, non pas 22, mais 22 plus 5, qui est 27. Et donc, le masque sous-réseau, dans notre cas, ça sera donc 22.1 déjà. Non pas 22, mais 27. On va encore ajouter 5 bits. Donc ces 5 bits-là, au niveau de la partie machine, qu'on a pris de la partie machine de l'adresse IPMR, on va les affecter au sous-réseau. Et donc ces 5 bits-là aussi, ils seront, on ne pourra pas les modifier. On va ajouter 5 bits. Voilà. Donc le masque sous-réseau en binaire, ça nous donne ça. Maintenant le masque, pardon, j'ai mis des 2, normalement je mets des 1. Donc ça c'est le masque sous-réseau en binaire. Donc aussi au niveau de ce découpage, du moment qu'on est en train de faire un découpage statique, tous les sous-réseaux de la topologie, tous les sous-réseaux qu'on va créer, ils vont avoir un masque identique. Donc ils auront tous des masques comme celui-là. Pourquoi ? Parce que le découpage qu'on est en train de faire, il est statique. Le masque maintenant sous-réseau en décimal, c'est juste la conversion du décimal vers le binaire. Sous-réseau en décimal. Donc ça, c'est équivalent à 255.255.255. Ici, on a 128 plus 64 plus 32. Donc 128 plus 64 plus 32, ça nous donne 224. Voilà. Donc ça, c'est le masque sous-réseau en décimal. Maintenant, le masque sous-réseau en notation SIDRE, comme j'ai dit, c'est slash nombre de bits de la partie réseau. La partie réseau pour un sous-réseau, c'est en même temps, c'est la partie réseau de l'adresse mère plus la partie sous-réseau. Et donc, ça sera slash 22 plus 5 et c'est équivalent à un slash 27. Ce qu'on remarque aussi au niveau des sous-réseaux, c'est que le masque il est plus grand par rapport au masque de l'adresse mère, et plus le masque grandit, plus le nombre, plus la taille de la partie machine diminue, et par conséquence, donc quand on a une partie machine qui est diminuée, veut dire qu'on aura un nombre de machines au niveau du sous-réseau qui sera diminué, c'est logique. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de découper cette adresse IP en plusieurs sous-réseaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous demande aussi ? On nous demande de donner le nombre de bits de la partie sous-réseau. Donc ça, on l'a déjà trouvé. C'était quelque chose qu'il fallait d'abord trouver pour pouvoir donner le masque. Donc le nombre de bits de la partie sous-réseau, c'est égal à 5. Pourquoi 5 ? Parce qu'il nous faut 5 bits pour pouvoir adresser 26 sous-réseaux. Alors, partie sous-réseau ou bien IDF sous-réseau, donc on a trouvé 5 bits. Qu'est-ce qu'on nous demande aussi ? Le nombre de bits de la partie machine. Donc le nombre de bits de la partie machine. Donc au début c'était 10 bits. Maintenant ça sera 10 moins 5. Donc on aura normalement 5 bits. Si on remarque ici, on n'a que 5 bits au niveau de la partie machine du sous-réseau. Donc on peut l'obtenir de deux façons différentes. On peut faire un 32 moins 27, ça nous donne 5 bits. Ou bien on peut faire un 27 moins 22, ça nous donne aussi 5.
tant qu'on a 5 bits pour la partie machine au niveau d'un sous-réseau. Regardez, toutes ces questions, elles sont destinées pour chaque sous-réseau, toutes les informations qu'on est en train de récolter. On nous demande maintenant le nombre maximal de sous-réseaux. Le nombre maximal de sous-réseaux veut dire que combien de sous-réseaux on peut créer au maximum. Donc ça sera la variation des bits de la partie sous-réseau. Et donc ça sera un 2 à la puissance 5. Cette fois-ci, on ne va pas mettre un moins 2 comme pour la plage. Si on met un moins 2, ça veut dire qu'on va exclure le sous-réseau avec 5 zéros et exclure le sous-réseau avec 5 1. Or, ce n'est pas logique d'exclure un sous-réseau avec 5 0 ou bien un sous-réseau avec 5 1. Au niveau de la partie sous-réseau, on n'a pas ce problème d'avoir que des 0 ou bien que des 1, etc. Donc tous les bits, dans tous les cas, ils sont acceptés. Donc le nombre maximal de sous-réseau, ça sera 2 à la puissance, nombre de bits de la partie sous-réseau, et donc 2 à la puissance 5, c'est égal à 32 sous-réseaux. On peut au maximum créer 32 sous-réseaux. Qu'est-ce qu'on nous demande aussi? Dernière question, c'est le nombre de machines au niveau d'un sous-réseau. Donc aussi, on suit la définition. Nombre de machines, c'est la variation des bits de la partie machine. Donc 2 à la puissance 5. Si on laisse 2 à la puissance 5, veut dire qu'on comptabilise 5 1 au niveau de la partie machine et 5 0 au niveau de la partie machine. Si on comptabilise ces deux-là, veut dire que les machines, on peut leur donner des adresses IP sous réseau, adresses IP de diffusion sous réseau. Or, ce ne sont pas des adresses attribuables à des machines, et donc on doit mettre 2 à la puissance 5, donc 2 à la puissance nombre de bits de la partie machine du sous réseau, toujours moins 2. 2 à la puissance 5 moins 2, ça nous donne 32 moins 2, et c'est 30 machines. Donc on a ici... Au niveau de chaque sous-réseau, on peut avoir au maximum 30 machines. Ça veut dire qu'on a 30 adresses IP attribuables pour chaque sous-réseau, au maximum. Donc on peut dire machine ou bien, comme j'ai dit avant, hôte. Voilà. On passe maintenant aux prochaines questions au niveau du devoir. Troisième question. On nous demande de proposer un plan d'adressage en utilisant la technique de découpage statique vue en TV. Donc, en réalité, c'est le remplissage de ce tableau et chaque ligne sera dédiée à chaque sous-réseau. Donc, pour chaque sous-réseau, on devra relever l'adresse IP sous-réseau en décimale et en binaire. On devra donner la première adresse IP utilisable suivie de la dernière adresse IP utilisable, donc c'est équivalent à la plage d'adresse IP utilisable, ainsi que l'adresse de diffusion. Donc, on va répondre à cette question-là. Donc, on aura au total 26 lignes. Donc on a 26 sous-réseaux. On peut continuer à compter jusqu'à 32, sauf que les derniers sous-réseaux, donc 32 moins 26, ça sera des sous-réseaux qu'on ne va pas utiliser. Alors, on va commencer ce découpage-là. Toujours le découpage, c'est en réalité le remplissage d'un tableau qui contient 4 colonnes. Donc on a comme première colonne l'adresse IP sous-réseau. En binaire. On commence par binaire parce que binaire, elle va nous donner, on va plus facilement trouver l'adresse IP en binaire en appliquant la définition. Et pour le décimal, on va juste faire une traduction. Ça veut dire qu'on ne peut pas obtenir au tout début l'adresse IP en décimal. Pourquoi? Parce que le sens, comme j'ai dit, de l'adresse IP, il est en binaire. Donc on trouve d'abord l'adresse IP sous réseau en binaire, suivi l'adresse IP sous réseau en décimal. On trouve aussi la première adresse IP suivie de la dernière adresse IP et adresse IP de diffusion. Donc on va essayer aussi de donner on va essayer de donner l'adresse IP de diffusion en binaire, puis en décimale.
juste pour avoir un corrigé qui est assez détaillé. Voilà, donc c'est ce qu'on a besoin au niveau de l'exercice. Donc c'est les champs qu'on devrait remplir. Alors, l'adresse IP sous réseau en binaire, on va reprendre l'adresse IP mère. Donc c'est ça. On va ajouter une colonne sous réseau pour donner un identifiant à chaque sous réseau. Donc un chiffre, premier sous réseau, deuxième, troisième, etc. On en aura besoin après au niveau de la création des sous réseaux au niveau du simulateur. Donc voilà, après avoir arrangé la réponse. Donc, on doit remplir pour chaque sous-réseau une ligne, pour chaque sous-réseau. Donc, on aura 26 lignes d'ajouter au niveau de ce tableau. Donc, comme j'ai dit, pour trouver l'adresse IP sous-réseau en binaire du premier sous-réseau, donc on va travailler sur le premier, donc numéro 1. On prend l'adresse IP mère en binaire. C'est ce qu'on a trouvé au niveau de la toute première question. Donc on a l'adresse IP, on prend toujours au niveau du premier réseau, toujours, on prend l'adresse IP mère. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le découpage qu'on connaît. Donc on a déjà 22 bits pour la partie réseau au niveau de l'adresse mère, donc on a ça. Et ça c'est la partie machine. Pour le sous-réseau, on a pris 5 bits au niveau de la partie machine. Donc on a 50 parties sous-réseau. Premier sous-réseau, il a pour identifiant 5-0. Et donc l'adresse IP du sous-réseau en binaire, elle ne change pas. Ce qui change au niveau de l'adresse IP, donc même en décimal, ça ne va pas changer. Donc c'est 149.77.16.0. Ce qui change, c'est le masque. Donc un 149.77.16.0/22 est différent d'un 149.77.16.0/27. Notons que tous les sous-réseaux, ils ont ce masque-là. Donc ça, comparant s'il n'y avait pas ça, c'est différent. Donc l'adresse IP du premier sous-réseau, c'est toujours la même que l'adresse IP réseau mère. C'est la même, sauf que le masque change. Maintenant, première adresse IP utilisable, ça sera adresse IP réseau plus 1. Donc ça sera 149.77.16.1. Donc on aura ce bit-là qui sera 1. La dernière adresse, ça sera ici des 1, donc 4-1 suivi d'un 0. Et 4-1 suivi d'un 0, ça nous donne... Donc ça nous donne 30. Il faut juste faire la conversion. C'est 2 plus 4 plus 8 plus 16. 2 plus 4 plus 8 plus 16, c'est 30. Ou bien, si on met tout ça à 1, ça nous donne 31. Pourquoi 31? Parce que tout ça à 1 plus 1, c'est un 1 au niveau de ce bit-là. Un 1 au niveau de ce bit-là, c'est 32. 32 moins 1, c'est des 1 ici partout. Donc, quand on fait une addition binaire, 31, c'est des 1 partout. 31 moins 1, ça sera 4-1 avec un 0. Et donc, c'est 30. L'adresse IP de diffusion en binaire, je reprends ce que j'ai ici. Et ce qui va changer, c'est que les bits de la partie réseau, ils ne changent pas. Les bits de la partie sous-réseau, idem, ils ne changent pas. Ce qui change, c'est les bits de la partie machine. Et comme définition, l'adresse IP diffusion, c'est une adresse IP où la partie machine, elle est égale à 1 partout. Donc on va mettre 5, 1. Voilà. Et ça, en décimal, il suffit juste de convertir. Ça nous donne 149. Attendez. Alors 149.77.16. Ici on a 5 1. Donc c'est 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16.
en réalité, ça c'est 31. Parce que 31 plus 1, c'est 32. Et tout ça plus 1, ça va nous donner un suivi de 5,0. Et un suivi de 5,0, si on convertit cet octet-là en binaire, ça nous donne 32. Donc ça, c'est l'adresse IP diffusion du premier sous-réseau. Une autre méthode, ça aurait été de calculer l'adresse IP sous-réseau, l'adresse IP de diffusion, et la plage, on peut la déduire en faisant un réseau plus 1, sous-réseau plus 1, pardon, et diffusion sous-réseau moins 1. Donc, on est correct. Donc, c'est entre 0 et 31, et la plage, elle est entre 1 et 30. Ça, c'est pour le premier sous-réseau. On passe maintenant au deuxième sous-réseau. Vous allez voir qu'on va reprendre la même chose, sauf qu'on va apporter des modifications. Le deuxième sous-réseau, qu'est-ce qui se passe? Du moment qu'on est au niveau d'un deuxième sous-réseau, veut dire que la partie réseau, elle devrait être changée. Et ce qu'on va faire, c'est incrémenter la partie sous-réseau en 1. On va mettre un plus 1 au niveau de la partie sous-réseau, et donc ça sera un 1 ici. Et ça en décimal, c'est équivalent à 16 plus 32. La plage, on s'en occupe après. Donc ici, on a incrémenté à 1. Et c'est toujours des 1 au niveau de la partie machine. Donc 6 1 en partant de la droite, c'est 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32. Donc ça, c'est équivalent à 63. Ou bien c'est, regardez, si on met un 1 ici, c'est 64. 64 moins 1, c'est 63. Et la plage, pardon, ça sera 33. Attendez, voilà. C'est 33 jusqu'à 62. Ça, c'est la plage du deuxième sous-réseau. Même chose pour le troisième sous-réseau. Qu'est-ce qu'on fait? On incrémente la partie sous-réseau à 1. Donc ça plus 1, ça nous donne 1, 0. Donc ça, en décimal, ça nous donne 64. On laisse la plage pour l'instant. On revient vers l'adresse de diffusion. Donc ça, c'est 1, 0, parce qu'on a incrémenté la partie sous-réseau. Et ça, c'est... Donc c'est 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Non pas plus 32, mais plus 64. Ça nous donne, si on fait la somme, ça nous donne 95. Et donc, la plage, ça sera de 64 plus 1, qui est 65, jusqu'à 95 moins 1, qui est 94. Même chose pour le quatrième sous-réseau. On incrémente la partie sous-réseau, donc ça sera 1, 1. Donc 1, 1 en décimal, en réalité, c'est 32 plus 64. 32 plus 64, c'est 96. On laisse la partie, la plage après. On a incrémenté ici à 1. Donc 10 plus 1, c'est 11. Et ici, c'est 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64. Et c'est égal à 127. Ou bien c'est 128 moins 1. On fait la même chose pour le cinquième sous-réseau. On va incrémenter la partie sous-réseau. Donc 11, ici 0, 1, 1 plus. Donc si on veut, c'est 3, 0, 1, 1 plus 1. Ça va nous donner 0, 0, 1, 0, 0. Ça, c'est l'addition en binaire. Et ça, en décimal, ça nous donne... Donc toujours la conversion. Regardez, c'est vrai qu'il y a des pips pour délimiter la partie sous-réseau, partie machine et partie réseau. Mais toujours la conversion, elle se fait groupe par groupe. Et donc ici, la conversion, ça va nous donner 128, qui est 2 à la puissance 7. La plage,
on laisse pour après. Ici, on a incrémenté l'identifiant sous réseau. Et donc, 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 128, ça nous donne 159. Et la plage, ça sera de 129, 128 plus 1 jusqu'à 158, qui est 159 moins 1. Voilà. On passe maintenant au sixième sous-réseau. On incrémente la partie sous-réseau. Donc 00100 plus 1, c'est 00101. Donc ça en décimale, c'est 128 plus 64. C'est, pardon, 128 plus 32. 64, il est à 0. Donc 128 plus 32, c'est 160. Ici aussi, on incrémente la partie sous réseau. Et ici, l'adresse de diffusion, si on convertit en décimale, c'est 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 128, ça nous donne 191. Voilà. C'est 192 moins 1 qui est 128 plus 64. Donc, on peut s'habituer à ces calculs-là si on fait beaucoup d'exercices. Pourquoi ? Parce qu'il y a uniquement 8 bits à manipuler. Donc, à force de faire ces additions-là, on finit par mémoriser, par exemple, que 128 plus 64, c'est 192. La plage, c'est de 161 jusqu'à 190. Vous remarquez que c'est plus simple ainsi. Si on déduit l'adresse IP sous réseau et l'adresse IP de diffusion sous réseau, la plage, c'est juste faire un plus 1 et un moins 1, juste pour être rapide. Septième sous-réseau, n'oubliez pas qu'on a 26 sous-réseaux à créer. Donc ça sera une incrémentation d'abord de la partie sous-réseau. Donc c'est 1, 1, 0 ici. Donc ça c'est équivalent à 128 plus 64 et c'est 192. Et on incrémente aussi à ce niveau-là. Et 192 plus 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16, c'est égal à 223. Et la plage, donc ça sera 293 jusqu'à 222. Huitième sous-réseau, on incrémente. Donc on aura un 128 plus 64 plus 32, c'est équivalent à 224. Pour l'adresse de diffusion, ça sera des 1 partout et c'est équivalent à 255. Pour la plage, ça va aller de 225 jusqu'à 254 pour le huitième sous-réseau. On continue, le neuvième. On incrémente la partie sous-réseau. Donc 00111 plus 1, ça nous donne 01000. Et ça, en décimale, c'est équivalent à... Donc ici, on a cet octet-là, c'est 16 plus 1, donc ça sera 17.0. On a incrémenté ici un 1 aussi. Et ça, c'est équivalent d'abord à 17. Point. Ici, c'est 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16, c'est équivalent à 31. Pour la plage aussi, on va changer. Donc, ça sera de 17.1 jusqu'à 17.30. Avant de continuer, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que
on a adresse IP sous réseau, plus un adresse IP, première adresse IP utilisable, dernière adresse IP diffusion c'est plus 1, 30 plus 1 c'est 31. Remarquez ce qu'il y a comme relation entre l'adresse IP de diffusion du réseau précédent et l'adresse IP du sous-réseau actuel. Il y a 1 plus 1. 31 directement passe à 32. 63 directement passe à 64. 95 directement passe à 96, etc. Donc ici, 255 plus 1 directement passe à ici 1.0. Donc pour savoir qu'on n'est pas, qu'on n'est pas en train de se tromper, il faut avoir cet enchaînement-là. Donc tout est collé. Donc toutes les plages, elles sont collées et elles sont juste séparées par des adresses IP réseau et des adresses IP de diffusion. On continue pour le dixième sous réseau. Première étape, on incrémente la partie sous réseau. Donc c'est 1 plus 1. Ici c'est un 17 points. Donc on peut soit faire le calcul ou bien faire un plus 1 ici. C'est 31 plus 1, c'est 32. On incrémente ici, ça nous donne donc 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32, ça nous donne 63. Et la plage, ça sera de 17.33 jusqu'à 17.62. Onzième sous réseau, on incrémente la partie sous réseau, donc ça c'est égal à 64, c'est le bit de la puissance 6 qui est positionné à 1, ou bien c'est 63 plus 1. Et ici on a aussi une incrémentation, et ça c'est égal à 95. La plage, on va juste modifier, donc c'est 95 moins 1 et 64 plus 1 qui est 65. On continue pour le 12e sous-réseau, on incrémente la partie sous-réseau, on peut faire le calcul ou bien c'est adresse IP diffusion du sous-réseau précédent plus 1. Et ça, c'est 96. 96, c'est 64 plus 32, ou bien c'est 95 plus 1. On n'oublie pas d'incrémenter ici. Et ça, c'est équivalent à 127. Ce qu'on remarque aussi, regardez les chiffres. Ils se répètent. 31, 63, 95, 127, 159, 191, 223, 255. Après, il y a les mêmes chiffres, sauf qu'ici, on a augmenté d'un 1. C'est pour ça que c'est différent. Donc, pour continuer le découpage, ça va être facile, du moment qu'on a obtenu les premiers sous-réseaux. Maintenant, il faut juste ne pas se tromper au niveau des calculs. Donc, pour la plage, ça sera... Donc, regardez, comme ici, on n'a pas changé. 17 jusqu'à 126. C'est juste un oubli. Donc ici, ça va aller de 17.97 jusqu'à 17.126. Treizième sous-réseau. On incrémente la partie sous-réseau à 1. Donc 0, 1, 0, 1, 1 plus 1, c'est équivalent à 0, 1, 1, 0, 0. Ça en binaire, ça nous donne 128. On incrémente ici également. Et ça, ça nous donne, donc c'est 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 32 plus 128, c'est égal à
17.159. Et la plage, ça sera de 17.129 jusqu'à 17.158. On continue pour le 14e sous-réseau. On incrémente la partie sous-réseau à 1. Donc ça c'est équivalent à 17.128 plus 32. 128 plus 32 c'est égal à 160. On incrémente aussi ici à 1. Et 128 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. C'est égal à 191. On n'oublie pas de changer au niveau de la plage. On passe maintenant au 15e sous-réseau. Donc il faut juste comprendre le principe. Ensuite, ça devient juste des calculs. Où il ne faut uniquement pas se tromper. On a augmenté à 1 la partie sous réseau. En binaire, ça va nous donner 128 plus 64, c'est 192. On n'oublie pas ici aussi d'augmenter. Donc ça, c'est équivalent à 128 plus 64 plus 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. C'est égal à 223. On n'oublie pas de changer au niveau de la plage. 222. Et ici, c'est 193. 16e sous-réseau. Plus 1 au niveau de la partie sous-réseau. Donc ça, en binaire, c'est équivalent... En décimale, pardon, c'est 128 plus 64 plus 32, c'est égal à 224, ou bien c'est 223 plus 1. Il y a toujours une suite, une continuité entre les différents sous-réseaux. On augmente aussi au niveau de la partie sous-réseau, au niveau de l'adresse de diffusion. Il y a 8.1, donc on va jusqu'à 17.255. Et la plage, ça sera de 225 jusqu'à 254. Dix-septième sous-réseau. Donc 0, 1, 1, 1, 1 plus 1, c'est égal à 1, 0, 0, 0. Et ça, si on convertit en décimale, donc ici c'est 16 plus 2, c'est 18.0. Là, c'est 17, plutôt 18.31. Donc c'est de 18.1 jusqu'à 18.30. On peut aussi faire adresse. Donc remarquez que on a au niveau de chaque sous-réseau 30 machines. Donc c'est parmi les informations qu'on a pu obtenir au niveau des questions précédentes. Donc il y a toujours, ici si on fait une soustraction, entre la dernière adresse et la première, en termes de nombre de machines, vous avez au niveau de chaque sous-réseau 30 machines. On continue à faire les calculs pour le 18e sous-réseau. On incrémente à 1 la partie sous-réseau. Donc ça sera toujours 18.32
Donc ça, c'est équivalent à 63. On modifie au niveau de la plage. Donc ça sera 18.33 jusqu'à 18.62. Dix-neuvième sous-réseau. On incrémente la partie sous-réseau. Donc ça, c'est équivalent à 18.64. Et ici, on n'oublie pas d'incrémenter. Et ça, en binaire, c'est 18.95. Voilà. Donc notre plage, au niveau du 19e sous-réseau, ça va aller de 18.65 jusqu'à 18.94. Vingtième sous-réseau. Incrémentation de la partie sous-réseau. Ça, en binaire, pardon, c'est équivalent à 96. On incrémente ici aussi. Et ça, en binaire, c'est équivalent à 127. Et la plage, au niveau du 20e sous-réseau, ça va aller de 18.97 jusqu'à 18.126. Vingt-et-unième sous-réseau, incrémentation de la partie sous-réseau. Ça, c'est équivalent à 18.128. Incrémentation de la partie sous-réseau. Ça, c'est équivalent à 18.159. Et la plage, ça va aller de 129. Donc de 18.129 jusqu'à 18.158. Vingt-deuxième sous-réseau. Incrémentation de la partie sous-réseau. Ça, c'est équivalent à 18.160. Incrémentation de la partie sous-réseau. Et ça, c'est équivalent à 18.191. Et la plage, ça sera de 18.161 jusqu'à 18.190. Vous remarquez que entre tous les sous-réseaux, il y a une continuité. C'est-à-dire que l'adresse IP de diffusion du réseau précédent, c'est égal à l'adresse IP sous-réseau du réseau actuel. 23e sous-réseau, incrémentation de la partie sous-réseau. Ça, c'est équivalent à 18.128 plus 64, c'est 192. Incrémentation de la partie sous-réseau. Ça, c'est équivalent à 18.223. Et la plage, au niveau du 23e sous-réseau, ça va aller de 18.193 jusqu'à 18.222. Vingt-quatrième sous-réseau. Incrémentation de la partie sous-réseau. Ça, si on convertit en décimal, c'est équivalent à 18.224, ou bien adresse IP de diffusion du réseau précédent qui est 18.223, pardon, plus 1. Incrémentation de la partie sous-réseau. Ça, ça nous donne 18.255. Et la plage, au niveau du 24e sous-réseau, ça sera de 18.225 jusqu'à 18.255.
54. Vingt-cinquième sous-réseau, incrémentation de la partie sous-réseau, donc c'est 1,1,3,0. Donc ça, en décimale, c'est équivalent à 16 plus 2 plus 1, et donc c'est 19,0. Incrémentation de la partie sous-réseau au niveau de l'adresse de diffusion. Donc ça c'est, donc on a ici 1,19 plus 31. Et donc la plage, ça sera de 19,1 jusqu'à 19,30. Ça c'est pour le 25e sous-réseau. Remarquez que 18,255 plus 1, c'est égal à 19,0. Et quand on voit ça, on est sûr qu'on ne s'est pas trompé. Si on se trompe, c'est-à-dire si on obtient des chiffres qui sont inférieurs, si on obtient une adresse IP sous réseau inférieure à l'adresse IP de diffusion du réseau précédent, c'est-à-dire qu'il y a chevauchement entre les différents sous-réseaux, et donc on a un découpage qui n'est pas logique et qui n'est pas correct. Et donc quand on commencera à saisir les adresses IP obtenues au niveau des plages, on aura des chevauchements et donc on aura des erreurs au niveau des attributions des adresses IP. C'est comme si vous êtes en train d'attribuer des adresses IP au PC d'un même réseau, vous êtes en train d'attribuer des adresses IP réseau issues de différents réseaux. Donc vous aurez des parties réseau différentes. 26e et dernier sous-réseau. Donc si on convertit ça en binaire, c'est 19,32. On incrémente la partie sous-réseau et ça c'est équivalent à 63. Et la plage, tout simplement, c'est 19,33 jusqu'à 19,62. Il nous reste aussi, si on continue à faire varier ces bits jusqu'à 5,1, on peut créer jusqu'à 32 sous-réseaux. Du moment qu'on a trouvé 26 sous-réseaux au niveau de notre topologie, on s'arrête au niveau des calculs à ce stade-là. Même les calculs qu'on fait pour le 27e, 28e, 29e, 30e, 31e et 32e sous-réseau, on ne va pas utiliser ces plages d'adresse. On pourra les utiliser si on fait une extension de notre réseau, c'est-à-dire qu'on ajoute d'autres réseaux, donc on branche d'autres réseaux à nos routeurs, ou bien on ajoute des routeurs aussi. Voilà. Mais on est conditionné par 32 sous-réseaux. On ne peut pas avoir plus de 32 sous-réseaux. Si on veut avoir plus de 32 sous-réseaux, il faudra augmenter la taille de la partie sous-réseau. 1/28 ou plus. Voilà pour la réponse à la question au niveau du devoir maison. On a proposé un plan d'adressage. Qu'est-ce qu'on nous demande maintenant ? On nous demande de réaliser la topologie sur paquet traceur et donner les configurations réseau des 31 PC et les adresses IP de toutes les interfaces de tous les routeurs, des 10 routeurs. Alors, pour pouvoir, donc déjà, pour rappel, paquet traceur est un simulateur réseau, on peut créer des réseaux au niveau, on peut créer des architectures et les configurer comme si on était en train de manipuler de vrais équipements réseau. Donc on ouvre le simulateur. Donc j'ai la version 8.0.1, donc normalement c'est la toute récente version de paquet traceur, donc il y a toujours des mises à jour. Les mises à jour, ça concerne l'ajout de nouveaux équipements ou bien la suppression de certains équipements qui sont très anciens, etc. Alors, on nous demande de réaliser la topologie au niveau du devoir, donc celle-là. Donc, pour les PC, c'est facile. Il suffit juste de cliquer sur End Devices et choisir PC et saisir autant de PC au niveau du plan de travail qui est en blanc. Donc, on va jusqu'à 32. Et pour maintenant les commutateurs aussi, on clique sur Network Devices et on clique sur Switch.
et on choisit le switch 2960. On peut lire aussi normalement le nom du switch qu'on utilise. Regardez, 2960, c'est le même. Maintenant pour les routeurs. Regardez, on utilise le routeur PT. Le routeur PT, bon, on le trouve dans Network Devices et dans Routers. On a ici une panoplie de routeurs, donc différentes versions de routeurs fabriqués par Cisco. On va choisir PT Router. PT Router ou bien Packet Tracer Router, c'est un routeur qui contient beaucoup de slow au niveau, à son niveau physique. C'est-à-dire qu'on peut insérer plusieurs interfaces au niveau du routeur. Regardez, le plus grand réseau, le plus grand routeur, je pense, il comporte, donc celui-là par exemple, il a besoin de 6 interfaces, donc 4 Fast Ethernet, 5 Fast Ethernet et une série. Celui-là doit avoir 2 séries et 2 Fast Ethernet. Celui-là doit avoir 5, dont 4 Fast Ethernet et une série. Alors, le plus grand, c'est celui-là, je pense, qui a 5 interfaces. Donc si on utilise n'importe quel routeur, ça peut créer un problème. Si on utilise le routeur 1841. Donc routeur 1841, c'est le même qu'on a au niveau des salles machines à l'université. Si vous remarquez, il a que 2 interfaces Fast Ethernet. Et donc c'est pas assez, on ne peut pas l'utiliser au niveau de cette topologie. Là, regardez, on va faire un exemple. Si par exemple je veux brancher mon routeur aux 3 PC, les deux, il n'y a pas de problème parce que je suis en train d'utiliser celle-là et celle-là. Donc les interfaces qui sont à droite, ce sont des ports d'administration. Si je clique maintenant sur le routeur pour pouvoir le relier au 3e PC, qu'est-ce qu'il me dit? The cable cannot be connected to that port. Ça veut dire que je n'ai plus de port de disponible pour mon réseau. Et c'est pour ça que ce routeur-là, il n'est pas à privilégier au niveau de la topologie donnée. Par contre, routeur PT, celui-là, regardez, il a plusieurs. Déjà, il a 2 interfaces Fast Ethernet, 2 interfaces série et 2 interfaces fibre optique. Et il a aussi 4 interfaces de libre. Donc, si par exemple, à mon niveau, j'avais. Je devais créer ça. Donc, 4 ports Ethernet et un port série. Donc, j'ai un port série, j'en ai 2, et j'ai uniquement 2 ports Fast Ethernet. Regardez, on va faire l'essai. Et ici, on va mettre un autre routeur pour pouvoir le relier en série. Regardez. Donc, vous remarquez qu'au niveau du câble, je suis en train d'utiliser l'éclair. L'éclair, c'est pour ajouter un câble de manière automatique. On peut sinon spécifier nous-mêmes le câble. Donc, câble croisé. Je clique sur Fast Ethernet et je clique sur le port Ethernet du PC. Suivi de Fast Ethernet. Suivi du port série. Je choisis le port série. Je choisis ici un port série. Maintenant, si je veux connecter ce PC-là, je n'ai plus d'interface. Même si j'utilise l'éclair, il me dit The cable cannot be connected to that port. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut ajouter des interfaces au routeur. Pour pouvoir ajouter des interfaces au routeur, il faut d'abord éteindre le routeur via ce bouton-là. Et ici, on a des modules où on a plusieurs interfaces qu'on peut ajouter. À chaque fois que vous cliquez sur une interface, vous avez en bas le sans symbole plus une description. Pour les Fast Ethernet, c'est à la fin un CFE. Donc, je clique sur l'interface et je la glisse vers le port libre. J'en ai besoin de 2, j'en ajoute 2. J'ai toujours 2 slots qui sont libres. Je réallume le PC, le routeur, pardon. Et maintenant, j'essaie de câbler. J'ai maintenant un port Ethernet que je peux relier au PC. Et je mets un câble droit entre un routeur et un commutateur. N'importe quel port, bien évidemment. Donc voilà, si on a des problèmes quant à la réalisation de la topologie demandée au niveau du DM. Donc on a pu créer cette partie-là, si vous voulez. Attendez, ici on a 5
Voilà, donc pardon. Ici, on a aussi un autre commutateur. Donc ici, je n'ai plus de port disponible. Regardez, attendez. Si je mets un câble droit, toujours un câble droit entre un équipement logique et un équipement physique. Donc, commutateur, il est de niveau 2 et routeur, il est de niveau 3. Donc, il faut impérativement utiliser un câble droit. Sauf que je n'ai plus d'interface Ethernet. Même chose, j'éteins le routeur et j'ajoute une interface Ethernet. Et je réallume le routeur. Maintenant, je pourrais câbler via un câble droit le routeur et le commutateur. Voilà. Donc on a pu créer cette partie de la topologie. Voilà la topologie après création au niveau des packet traceurs. Donc j'ai utilisé les mêmes équipements, les mêmes versions, les mêmes noms des routeurs. Routeur 0 ici, routeur 1 ici, etc. J'ai câblé, j'ai ajouté les interfaces qu'il fallait ajouter au niveau des routeurs. Et maintenant, on continue à répondre aux prochaines questions. Donc, on avait. Alors, on s'était arrêté là. Réaliser la topologie sur paquet traceur, c'est bon. Maintenant, donner les configurations réseau des 31 PC. Alors, pour pouvoir attribuer des configurations réseau aux 31 PC, il faudrait suivre la règle que les PC d'un même réseau local ont la même adresse, ont la même partie réseau au niveau de leur adresse IP. Et donc PC0, PC1 et PC2, du moment qu'ils font partie de ce réseau logique, ils vont avoir trois adresses IP où la partie réseau est commune pour les trois PC. Ce PC-là aura une adresse d'un autre sous-réseau. On va utiliser ce qu'on a obtenu au niveau du plan d'adressage. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est juste délimiter les sous-réseaux au niveau de la topologie. Donc, chaque PC, il appartient à quel sous-réseau? Ça, c'est la première étape. Et aussi, chaque interface. On verra après pour le routeur. Donc, on peut supposer que ça, c'est le premier sous-réseau, ou bien ça, ou bien ça, ou bien ça. Donc, on peut faire aussi un choix qui n'a pas d'incidence sur la configuration qu'on va faire. Et donc, plusieurs solutions aussi peuvent exister. Donc, quelqu'un peut dire que ça, c'est le sous-réseau numéro 1. Il aura la plage qu'on a obtenue au niveau du découpage, ou bien celui-là, ou bien celui-là. On va commencer par celui-là. Du moment qu'on a une grande topologie, on va utiliser les notes. On peut placer des notes au niveau de la topologie. On va juste écrire ici sous-réseau 1. Regardez. Et on va le mettre ici pour ne pas se perdre. On va créer un autre. Donc, ça, le deuxième PC aussi, il a une adresse du premier sous-réseau. Aussi, le PC numéro 2. Il faut obligatoirement faire ça. Donc, bon, pas obligatoirement, mais de préférence pour ne pas se perdre. Ce PC-là, il va appartenir au deuxième sous-réseau. Ce PC-là, ainsi que les deux qui sont ici, ils vont appartenir au sous-réseau numéro 3. Voilà. Maintenant, sous-réseau 4, ça sera ce PC-là uniquement. Sous-réseau 5. L'essentiel est qu'à la fin, on est jusqu'à 26 sous-réseaux. Donc, pourquoi? Parce qu'on a obtenu 26 sous-réseaux au niveau de la question, on nous a demandé le nombre de sous-réseaux. Donc, ici. Voilà. Sous-réseau
sous-réseau 6, PC19, au niveau de ce sous-réseau uniquement PC19 plus l'interface du routeur numéro 1. On va s'occuper maintenant de ce sous-réseau-là. Donc les 4 PC vont appartenir au sous-réseau, par exemple, numéro 7. C'est au choix, bien évidemment. Quelqu'un d'autre aurait pu opter pour un autre sous-réseau. Voilà, sous-réseau 7, sous-réseau 7 et sous-réseau 7. Le sous-réseau numéro 9, numéro 8, c'est le PC par exemple 17. Sous-réseau 9, c'est par exemple le PC numéro 16. Voilà. Cette partie, on s'en occupe après. On continue ici. Donc, sous-réseau 10, c'est le PC 24. Donc, c'est le PC 24 plus les deux interfaces. On s'occupe des interfaces des routeurs dans la prochaine question. Pour l'instant, c'est la configuration uniquement des PC. Sous-réseau 11, ça sera le PC 25. Par exemple, ça aurait pu être PC 23. Ici, on a des sous-réseaux qui contiennent uniquement un PC et une interface. Sous-réseau 12. Sous-réseau 13. Sous-réseau 14. Et sous-réseau 15. Donc 13. 14, celui-là ou bien celui-là, c'est au choix. Et le 15. Voilà pour les PC. Bon, on n'a pas trouvé 22. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas comptabilisé les sous-réseaux point à point. Donc on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et 7 plus 15, c'est 22. Pour l'instant, on ne les a pas encore utilisés. Donc l'idée derrière tout ça, c'est pour pouvoir attribuer des adresses IP au PC. PC 0, 1 et 2 appartiennent au sous-réseau numéro 1. On revient au plan d'adressage et on donne au PC les adresses IP de la plage du sous-réseau numéro 1. Donc 16.1, 16.2, 16.3 par exemple. Voilà. Alors, ça sera 149.77.16.1. Le masque maintenant, ça sera un masque slash 27 et donc 3 fois 255.224. Maintenant, la passerelle. Donc, on nous a demandé de donner l'adresse IP, le masque et la passerelle. La passerelle, ça sera l'adresse IP de cette interface qui est reliée au commutateur au niveau de routeur 0. Donc, comme règle de bonne manière, les premières adresses IP d'une plage, elles sont réservées aux équipements terminaux, les PC, et les dernières adresses IP au niveau de la plage, elles sont réservées aux interfaces du routeur ou bien aux passerelles. Donc, la dernière adresse, c'est 30, on va donner 16.30 pour la passerelle qu'on va configurer ultérieurement. 16.30. Voilà pour le premier PC. On continue. Donc, PC numéro 1, on lui donne une adresse de la première plage. Donc, on ne peut pas donner 16.1, parce qu'il est déjà attribué à PC 1, à PC 0, pardon. Regardez si on met .1. Il nous dit, this address is already used in the network. Donc, il faut donner 16.2, par exemple. Le masque, toujours le même, slash 27. Point, l'adresse de la passerelle, c'est normalement 30. Voilà. PC 2, ça sera 16.3. 16.30. Sous-réseau numéro 2.
on vérifie au niveau de notre découpage. Ça va de 33 jusqu'à 62. Donc on lui donne l'adresse 33 et l'adresse 62, ça sera sa passerelle. Donc 16.33. Ça, c'est le sous-réseau numéro 2. Sous-réseau numéro 3, on a 3 PC. On vérifie au niveau de notre table. Donc, de 64 jusqu'à... De 65, pardon, jusqu'à 94. Donc, la passerelle, ça sera 94. Et 65, 66, 67, ce sera les adresses IP des 3 PC. Donc, attendez, c'est 65. On commence par celui-là. Au hasard aussi, on peut commencer par les PC qui sont en bas. 65. Et la passerelle, ça sera, qu'est-ce qu'on a dit? 94. Voilà. Même chose pour les 3 PC qui sont en bas. Donc 66 et toujours la même passerelle 94 67 voilà. Qu'est-ce qu'on remarque au niveau de ce sous-réseau? Au niveau de ce sous-réseau, on a deux passerelles. Du moment qu'on a deux routeurs, donc on peut choisir que mes PC, pour qu'ils puissent pinguer vers l'extérieur, d'opter pour cette passerelle ou bien cette passerelle. Vous verrez plus tard que le choix n'est pas vraiment important. Donc on peut mettre celle-là ou bien celle-là. Ça veut dire que pour ce PC, je peux avoir, si celle-là c'est 94, je mets 94. Et si celle-là c'est 93, les deux autres PC peuvent avoir la passerelle 93. Ou bien tous ils ont 94, ou bien tous ils ont 93, ou bien certains ont 94 et d'autres ont 93. Donc le choix de la passerelle, il n'est pas vraiment important. Car on verra après que, même si on choisit l'une des passerelles, toutes les communications, elles vont marcher. Ce n'est pas vraiment important de dire quelle passerelle utiliser. Donc on a fini avec ce sous-réseau. Voilà. On passe maintenant au sous-réseau numéro 4. Au niveau du sous-réseau numéro 4, on a une plage qui va de 97 à 126. Donc le PC, il aura l'adresse 97 et la passerelle, elle aura l'adresse 126. 97. Aussi, le choix des adresses au niveau de la plage, c'est optionnel. Vous pouvez utiliser l'adresse 98, vous pouvez carrément utiliser l'adresse 126. Mais comme règle de bonne manière, les premières adresses de la plage sont réservées aux équipements terminaux et les dernières adresses sont réservées aux passerelles. Si on a une seule passerelle, c'est 126. Si on avait deux passerelles, c'est 126 ou bien 125. De 124, il ne faut pas qu'on se trompe au niveau du masque. Ça, c'est le sous-réseau numéro 4. Attendez, on vérifie si on ne s'est pas trompé. Sous-réseau numéro 5, il aura 129 et passerelle 158. Le masque, bien évidemment, il faut le changer. Par défaut, il nous donne un masque suivant les classes, classe A, classe B, classe C. Et comme c'est révolu le système de classe. C'est le système CIDR qui prédomine en IPv4. Et donc, on est obligé de changer le masque selon notre besoin. Donc voilà pour les adresses du sous-réseau numéro 5. On passe maintenant au sous-réseau numéro 6. On vérifie au niveau de notre plan d'adressage de 161 jusqu'à 190.
sous-réseau numéro 7. Au niveau du sous-réseau numéro 7, on a 4 PC, donc on aura besoin de 4 adresses IP au niveau de la plage, bon, sans oublier les interfaces du routeur. Sous-réseau numéro 7, ça va de 193 jusqu'à 222, donc la passerelle, ça sera 222 pour les 4 PC, et les 4 PC, ils auront des adresses 193, 194, 195 et 196. Alors, 193. Qu'est-ce qu'on a dit pour la passerelle? C'est 222. Sans oublier de modifier le masque. Attendez, juste je vérifie au niveau du sous-réseau numéro 6 si on ne s'est pas trompé. Non. On continue, donc on a adressé ce PC là. On continue avec les trois autres PC du sous-réseau numéro 7. 194. Et la passerelle, c'est 222. PC 8. 195. Et 222. PC 9 du sous-réseau numéro 7, 196. On a fini avec le sous-réseau numéro 7. On s'occupe maintenant du sous-réseau numéro 8. Il est constitué uniquement d'un seul PC, d'une seule interface, d'un routeur. Donc on lui donne 225 comme adresse et passerelle 254. Ça c'est pour le 8e sous-réseau. Maintenant le 9e. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc ça va de 17.1 jusqu'à 17.30. Pour la passerelle, parce que c'est la dernière adresse au niveau de la plage du sous-réseau numéro 9. Et bon, on a terminé avec ces PC-là, plus celui-là. Ceux-là, on va les traiter après. On continue au niveau du sous-réseau numéro 10. Sous-réseau 10, on a une plage qui va de 17.33 jusqu'à 17.62. 63 jusqu'à 62. Donc ici, on a deux passerelles. Aussi, si celle-là c'est 62, attendez. Celle-là c'est 62, l'autre on lui donne par exemple 61. Et on aurait pu mettre au niveau de la passerelle 61 ou bien 62. Donc soit on dirige le paquet externe ici ou bien ici. Donc c'est au choix aussi. Le sous-réseau numéro 11, il est constitué de deux équipements uniquement, PC et interface. Donc sous-réseau numéro 11... c'est de 65 jusqu'à 94. 65 jusqu'à 94, qui est la dernière adresse IP au niveau de la plage du 11e sous-réseau. Vous remarquez que quand on met des notes au niveau de la topologie, ça devient plus simple et on risque moins de se tromper. Sous-réseau numéro 12. On va en avoir une plage qui va de 17,97 jusqu'à 17,126. Donc 17,97
jusqu'à 17 points, 180, attendez, sous réseau numéro 12, jusqu'à 126. Voilà. Sous réseau numéro 13, même chose. 1729 pardon, jusqu'à 1759. Voilà, et le masque. Sous réseau numéro 14. ...1761 jusqu'à 1790. Sous réseau numéro 15... ...1793 jusqu'à 17222. Voilà. On revient maintenant au PC de la partie qui est un peu compliquée. Au niveau de la partie dans laquelle on n'a pas pu exactement spécifier à quel sous-réseau appartiennent ces PC. Ces PC-là, donc on en a combien ? On a 9 PC. Et ces 9 PC-là, ils peuvent appartenir à n'importe quel sous-réseau qu'on a créé ici. Du moment, bon, ça c'est un autre sous-réseau. C'est un sous-réseau point à point. Donc ces interfaces-là, elles doivent obligatoirement appartenir à des sous-réseaux différents. Donc on aura, en plus de 15, on aura le sous-réseau 16, 17, 18 et 19. Donc elles vont appartenir soit à 16, soit à 17, soit à 18, soit à 19. On va faire un choix aléatoire. Dix-sept, dix-huit, dix-neuf, seize, dix-sept, dix-huit, dix-neuf. On va faire de manière aléatoire. Regardez, ici c'est dix-huit, ici c'est dix-sept. 19, 19, 17. Donc, c'est pour ça que j'ai dit que plusieurs solutions peuvent être acceptées. Le dernier, on va lui donner, par exemple, le 16. Voilà. On va continuer maintenant notre adressage. Pour le 16, c'est de 225 jusqu'à 254. 249.77.17. 224 normalement. Attendez. 225. Voilà. Le masque est inchangé. C'est un slash 27 pour tous les PC. De 225, comme j'ai dit, jusqu'à 254. On copie cette adresse pour les PC du sous-réseau numéro 16, qu'on a choisi aléatoirement. On a ces deux-là, PC 30 et PC 21. On aurait pu avoir le tour, on aurait pu avoir aucun, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, il y a plusieurs solutions. 226, 254,
227. Voilà. Maintenant, le sous-réseau numéro 17. On vérifie au niveau de notre plan d'adressage. Donc, c'est de 18.1 jusqu'à 18.30. 18.1. Voilà. On n'a pas un autre. Voilà. Okay. Attendez, on a configuré celui-là. Et aussi celui qui est à côté. C'est le PC12. Donc ça sera 18.2. Toujours la même passerelle. 18.30. Si on avait d'autres passerelles, si on avait deux routeurs qui sont reliés, on aurait pu donner la 30 ou bien la 29. Si bien sûr, au niveau des interfaces, c'est configuré ainsi. C'est ça l'important. Mais comme règle de bonne mère, comme j'ai dit, on fait ça. Pour ne pas nous perdre. Ce qui nous manque, c'est PC des sous-réseaux 18 et 19. Donc 18, c'est celui-là. Alors, le 18... Au niveau du plan d'adressage, ça va de 18.33 jusqu'à 18.62. On configure les autres PC du sous-réseau 18. On a aussi PC 14. Point 34. Point 62. Dernier sous-réseau, c'est le réseau, sous-réseau, pardon, 19. Donc ce PC, PC 13 et PC 20. PC 13, sous-réseau 19, ça va de 18,65 jusqu'à 18,94. Et dernier PC, 20, au niveau de la topologie, 66 par exemple. On aurait pu très bien opter pour une autre adresse, sauf que si on suit cette règle-là, on risque pas de se tromper. Et c'est ça l'objectif. C'est quand on a une grande topologie à configurer, il faut faire en sorte de ne pas se tromper. Pour ne pas se tromper, il faut suivre des règles de bonne manière. On a terminé avec la configuration des équipements terminaux, donc les PC. Cette question-là. Maintenant, on nous demande de configurer les adresses IP de toutes les interfaces des 10 routeurs. Alors, on va d'abord spécifier à quel sous-réseau appartiennent les interfaces des 10 routeurs. Donc ici, on a trois interfaces. Donc, on va juste... on va mettre des étiquettes, oui, pour ne pas se tromper. Alors, sous réseau 1, je vais les écrire en entier, après je les place. Voilà. Alors, sous réseau 1, c'est celle-là. Sous réseau 2, c'est celle-là. Et sous réseau 3, c'est celle-là. Ça, c'est le premier routeur. Ce routeur-là, ici, on a sous réseau 7. Ici, c'est le sous réseau 3. Quatre, cinq et six.
Ça, c'est 5. Ça, c'est 4. Et ça, c'est 6. Celle-là, maintenant. Celle-là, ça sera un nouveau sous-réseau. C'est le sous-réseau 20. C'est un choix aléatoire. Hein. On aurait pu opter pour autre chose. Sous-réseau 20. Au niveau des deux extrémités de l'interface, des deux interfaces des deux routeurs. On a terminé avec ce routeur-là. On passe maintenant à celui-là. Donc on a sous-réseau 9, 8. Et ici on a deux nouveaux sous-réseaux, 21 et 22. Alors sous-réseau 8, sous-réseau 9, sous-réseau 21. Sous-réseau 21, sous-réseau 22, sous-réseau 22. Alors, sous-réseau 8, c'est cette interface. Sous-réseau 9, c'est celle-là. Sous-réseau 21, on va choisir celle-là, les deux. Et sous-réseau 22, ça sera ces deux interfaces série. On s'occupe de cette partie ultérieurement. On continue donc ce routeur-là par exemple. Donc on a sous-réseau 14, 13 et on continue ici 23 et 24. Alors, sous-réseau 14, sous-réseau 13, comme j'ai dit, sous-réseau 23, deux fois. Sous-réseau 24, deux fois. On commence par cela, c'est sous-réseau 22. 24, c'est celle-là. 14, c'est cette interface. Et 13, c'est cette interface. On s'occupe de ce routeur-là. Donc on a sous-réseau 15 et un nouveau sous-réseau, donc sous-réseau 25. Sous-réseau 25. Celle-là. Et sous-réseau 15, c'est cette interface. Ce routeur-là, on a sous-réseau 12 et sous-réseau 26 ici. Sous-réseau 26 deux fois. Sous-réseau 12 et sous-réseau 26. Au niveau de ce routeur, donc on a sous-réseau 10. Et au niveau de ce dernier routeur, donc on ne s'occupe pas pour l'instant de ça, mais cette interface, elle appartient au sous-réseau numéro 10 et sous-réseau 11, bien sûr, celle du PC. Ça, sous-réseau 10. Cette partie-là maintenant. Donc, on a créé 4 sous-réseaux au niveau du routeur, donc ça sera 16, 17, 18, 19. Le choix ici, c'est aléatoire. On peut commencer ici par 16, ou bien ici, ou bien là. Donc, on va mettre sous-réseau 16, sous-réseau 17, sous-réseau 18 et sous-réseau 19. On va les mettre par ordre, ou bien, si on ne suit pas l'ordre aussi, c'est pas faux. On a terminé avec ce routeur. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque les deux interfaces du routeur 5 et une interface du routeur 2. Alors, ici, ces trois interfaces, elles vont appartenir à un des quatre réseaux 16, 17, 18, 19. Donc, il y a aussi plusieurs solutions. On peut faire en sorte que celle-là, c'est la 16, ou bien la 17, ou bien la 10, ou bien la 19, ou bien celle-là, c'est la 16 ou bien 18 ou bien 19, 16, 17, 18, 19. On va faire au hasard. L'essentiel, c'est que ces deux-là ne doivent pas être égales, ne doivent pas appartenir au même réseau.
Donc on va faire celle-là, par exemple, c'est la 16, la première. Puis 19, la dernière. Puis l'autre, c'est 16 aussi. C'est pas fou. Voilà. Celle-là, c'est 16. C'est un choix aléatoire, comme j'ai dit. Donc, pour ça que j'ai dit qu'il y a plusieurs solutions qui sont possibles au niveau de cet exercice. Donc voilà, première étape, ce qu'on a fait, c'est c'est trouver à quel sous-réseau appartiennent les interfaces de mon routeur. Et c'est à partir de là que je vais leur attribuer une configuration réseau suivant le plan d'adressage que j'ai utilisé. Alors, pour configurer les interfaces d'un routeur, donc je vais faire par exemple ici, on va commencer par celui-là. Donc on a trois méthodes. Donc on clique sur le routeur, on clique sur l'onglet config, on clique sur l'interface, on saisit son adresse IP et son masque et on l'active. Ça c'est la manière graphique, c'est la méthode graphique. Ou bien on clique sur l'onglet CLI, Command Line Interface, et on saisit les différentes commandes de configuration d'interface au niveau d'un routeur. Ou bien, on prend un équipement terminal, n'importe lequel, celui-là par exemple, on le branche en console au routeur, on accède à l'application terminal au niveau du routeur, il faut juste spécifier 9600 bits par seconde et contrôle de flux aucun, on clique sur OK et on a l'interface de commande du routeur au niveau de l'équipement terminal. Et c'est ce qui se fait au niveau de machines réelles. C'est-à-dire pourquoi ? Parce que le routeur, du moment qu'il est de niveau 3, il n'a pas d'interface graphique et donc on est obligé d'utiliser un équipement de niveau 7 pour pouvoir le configurer. Et son administration, elle se fait via le branchement d'un câble console ou bien le câble bleu ciel. Pour faire simple, on va utiliser la ligne de commande au niveau de l'onglet config. Alors, routeur 0. On est en mode utilisateur privilégié, on accède au mode utilisateur, au mode de configuration du terminal, en mode de configuration maintenant de l'interface. Quelle interface je vais configurer ? Il faudrait connaître son nom. Donc, pour connaître son nom, attendez, j'enlève juste cette note. Soit je maintiens, je laisse le curseur ici et le nom de l'interface il va s'afficher. Ou bien je peux aller dans Options, Préférences. Et ici on met un. Normalement on coche une case qui nous permet de voir tous les ports. Donc c'est celle-là. Always show port labels in logical workspace. Si vous mettez ça, vous aurez les interfaces d'afficher. Sauf que si on les affiche toutes, ça va créer ce qu'on appelle ça va créer beaucoup de noms, etc. Et donc, ça ne sera pas évident de voir le nom. On peut sinon faire comme ceci. On clique sur l'interface, on débranche et on rebranche. Ici. Attendez. Voilà, ça c'est la Fast Ethernet 6/0. Donc interface Fast Ethernet 6/0, on l'allume, no shutdown, elle est allumée, et on lui attribue une adresse IP du sous-réseau numéro 2. Donc c'est en réalité la passerelle du PC ici, donc c'est 1662. Donc via la commande IP. Address 149.77.16.62 suivi du masque /27 en décimal. Voilà. Maintenant on configure la deuxième. Quelle interface ? Ici, celle-là appartient au sous-réseau numéro 2. C'est la 0/0 qui appartient au sous-réseau numéro 1.
s'allume pour être sûr que c'est l'interface qu'on est en train réellement de configurer. Donc ça, c'est moi, au niveau de paquet tracer, je commence toujours par un no shutdown suivi de l'adresse IP. Sinon, on aurait pu saisir l'adresse IP puis mettre un no shutdown. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand on met un no shutdown et ça s'allume, ça veut dire que c'est bel et bien l'interface qu'on veut configurer. On lui donne une adresse IP du premier sous-réseau. En réalité, c'est la passerelle de l'un des trois PC du sous-réseau numéro 1. C'est 1630. Voilà. La dernière, c'est 0/1 normalement. C'est, pardon, 1/0. On l'allume et elle fait partie du troisième sous-réseau. C'est la 1694. IP adresse. Mask /27. On a terminé la configuration du premier routeur. On passe maintenant à celui-là. Enable. Configure terminal. Interface. Fast Ethernet. 0/0. On va faire au hasard et on va allumer la 0/0. On verra laquelle s'est allumée pour aller rapidement. Donc celle qui s'est allumée, c'est celle qui appartient au sous-réseau numéro 3. Donc adresse IP, ça sera du sous-réseau numéro 3. Elle doit pas être, ça devrait pas être 94. Donc ça sera 95 parce que 94 elle a été prise par routeur 1, donc ça sera 93. Voilà. On configure une nouvelle interface, 1/0 par exemple. On va l'allumer. On verra laquelle elle s'est allumée. C'est celle qui est reliée au sous-réseau numéro 7. Et on tire son adresse à partir de la passerelle ou bien on revient au niveau du plan d'adressage qu'on a créé et on regarde la dernière adresse IP qui a été trouvée au niveau de la plage du sous-réseau numéro 7. Donc c'est la 222. IP address 149. Attendez, c'est est-ce que c'est point 16 ou bien point 17? Donc on est toujours au niveau du point 16. Point 77. Point 16. Point 222. Ouais, j'ai oublié le masque. Voilà. 222. Attendez juste, je vérifie. Voilà. On continue. Donc, il nous manque encore 4 interfaces à configurer. Donc, on va voir si c'est la 0, si c'est la 6/0. Voilà, c'est celle-là, elle appartient au cinquième sous-réseau. C'est la passerelle de ce PC. On ne peut pas faire copier-coller CTRL-C, CTRL-V, mais on peut utiliser les boutons qui sont ici. La deuxième, l'autre interface, on va essayer 0/7/0. C'est celle reliée au sous-réseau numéro 4. C'est 16.126. Voilà. Maintenant, celle-là, on peut faire aussi comme ça. Brancher, débrancher. C'est la 8.
Voilà. Ça, c'est Ethernet 8/0. Et c'est normalement. Attendez, j'ai pas vu. Celle qui... sous réseau 6. C'est l'adresse IP de la passerelle au niveau de PC numéro 19. 190. Le masque. Voilà, il me manque l'interface série. Donc c'est la 2/0. Regardez quand je mets no shutdown, ça s'allume pas. Pourquoi? Parce que pour que ça s'allume, il faudrait aussi mettre un no shutdown au niveau de l'interface 2/0 au niveau du routeur voisin. On va lui attribuer une adresse de la plage du réseau 20, du sous-réseau 20. Donc c'est, on va lui donner 126. Et l'autre adresse, l'autre interface, on lui donne 125. Attendez, 126 quoi? Donc 18 126. Pour faire, pour ne pas se tromper, on va continuer à configurer le routeur voisin. Celui-là. Et on configure son interface série. Enable. Configure terminal. Interface serial 2/0. Si on met maintenant un no shutdown, ça va s'allumer. Ça s'est allumé ici. Et donc on lui donne une adresse. La même. Ça sera 125. D. 125. Voilà. On continue dans la lancée à configurer les autres interfaces. Alors, l'interface Fast Ethernet ici, elle appartient au sous-réseau numéro 16. Donc, c'est celle-là. Ou bien on cherche au niveau de la plage, du plan d'adressage. Alors, exit. Voilà. Suivi du masque. On continue avec la deuxième interface série. C'est la 3/0. On lui donne une adresse du sous-réseau 21. On cherche au niveau de notre plan d'adressage les adresses du réseau du sous-réseau 21. On lui donne un 18158. 18158. On vérifie. C'est ça. On va copier aussi cette adresse, quand on aura besoin pour l'interface du routeur voisin. Attendez. Suivi du masque. Normalement, on a terminé avec ce routeur, le routeur 2. Voilà, ça ne s'est pas allumé parce qu'on n'a pas encore configuré celui-là. Enable, configure terminal, interface série 2/0, on l'allume, on va voir si ça s'est allumé. Si ça s'est allumé, donc c'est l'interface en question. Ça s'est pas allumé, donc ici c'est là, 3/0. On reviendra par la suite. Attendez,
C'est la 2, ici c'est là. Donc c'est la 2 normalement. On n'a pas mis un autre shutdown, je pense. Voilà, c'est ce qui manquait. Et ici, c'est l'interface, normalement, 2/0. Serial, 2/0. Si je mets un shutdown, juste pour voir, voilà, c'est cette interface en question. Je suis en train de manipuler. Et l'adresse IP, ça sera, au lieu que ça soit 158, ça sera 157. Voilà. On va juste vérifier qu'on ne s'est pas trompé. La 3/0, c'est 158, c'est bon. Et la série 2, c'est 157, c'est bon. On continue. Alors, il nous faut l'interface Ethernet appartenant au sous-réseau numéro 8. C'est la 0/0. On l'allume, donc toutes les interfaces, on les allume et on leur attribue une adresse IP plus un masque. Alors, elle doit appartenir au sous-réseau 8, donc c'est en réalité la passerelle du PC 17. Alors, adresse IP suivie du masque. On continue à configurer la deuxième interface face Ethernet. Normalement, c'est là, 1/0. Parce qu'au niveau du simulateur, chaque interface, elle est numérotée. Donc la première, c'est le premier slot, c'est 0/0. Deuxième slot, c'est 1/0. Si on met une série, après, ça sera 3/0, etc. Pour ça, donc si on fait beaucoup d'exercices, on arrive à connaître ces numéros-là. À force de pratiquer. Donc c'est la passerelle du PC numéro 16. On configure la deuxième interface série. Normalement c'est la 3/0. Oui, c'est la 3/0. Alors, interface série 3/0. On l'allume, ça ne va pas s'allumer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore allumé l'interface du routeur, l'interface série reliée du routeur voisin. On lui attribue une adresse IP du sous-réseau 22. 22, ça sera 190. Et l'autre, ça sera 189. Voilà. On passe au routeur voisin pour ne pas oublier l'adresse. On a terminé avec celui-là, on passe à celui-là. On configure son interface série, enable, configure terminal, interface série 2/0, no shutdown, normalement ça s'allume. Voilà, ça s'est allumé. Et on lui donne une adresse IP, -1. -189. Suivi du masque en décimal. Voilà. Ce qui nous manque, c'est les quatre interfaces Fast Ethernet. 0/0. No shutdown, c'est l'interface reliée au sous-réseau numéro 16 qui s'est allumée. Donc elle aura une adresse IP de la plage du sous-réseau numéro 16, ou bien la passerelle. Donc, elle doit juste être différente de celle-là. Ici, qu'est-ce qu'on a mis? Celle-là, c'est laquelle? Voilà, c'est la 0/0. Donc, c'est le réseau 17-254. Voilà, on va mettre 17-253.
Voilà. Donc pour le PC, on peut mettre soit 255, soit 253. C'est correct. On passe à la nouvelle interface. Interface Fast Ethernet, normalement c'est 1/0. Je ne sais pas laquelle. Je l'allume. Quelle est l'interface qui s'est allumée? C'est l'interface reliée au sous-réseau numéro 17. Sous-réseau 17. Est-ce que j'ai des interfaces que j'ai déjà configurées au niveau du sous-réseau 17? Aucune. Donc c'est directement la passerelle du PC. Donc 18.30. Coller. Fast Ethernet, normalement c'est 5 ou bien 6/0. Est-ce que quelque chose s'est allumé? Non. Alors, on va brancher et débrancher. C'est la 7. Elle s'est allumée, elle appartient au sous-réseau numéro 18. On lui attribue une adresse IP du sous-réseau numéro 18. Est-ce que j'ai configuré une interface au niveau du sous-réseau 18? Pourquoi je vérifie ça? Pour ne pas attribuer une même adresse au niveau d'un autre routeur. Pour faire un moins 1. Je vais vérifier au niveau de la passerelle du PC qui appartient au sous-réseau 18. On donne 62 ou bien on va au niveau du plan d'adressage. Coller. Voilà. Il nous reste la dernière interface au niveau de ce routeur. C'est l'interface 6/0. 6/0. Toujours la commande, c'est interface, nom de l'interface, numéro de l'interface. Je l'allume. Elle s'est bel et bien allumée. Elle appartient au sous-réseau numéro 19. Est-ce que j'ai déjà configuré le sous-réseau, une interface au niveau du sous-réseau 19 au niveau d'un des routeurs? Non. J'utilise directement la plage, la passerelle au niveau du PC20, c'est 18.80.14. Suivi du masque. Pour faire, on peut aller directement à cette interface-là et la configurer et lui donner l'adresse IP.93. On va juste voir laquelle. C'est laquelle? C'est la 6/0. No. Enable. Configure terminal. 6/0. Je l'allume. Elle s'est allumée. Elle appartient au sous-réseau 19. Et donc, elle aura une adresse IP du sous-réseau 19, moins 1. Parce que 94, elle a déjà été attribuée à une des interfaces d'un autre routeur. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Attendez, ce sera 93, suivi du masque en bin, en décimal, pardon. On continue sur la lancée à configurer... Une autre interface, donc celle-là, c'est la 7.0. Elle appartient au sous-réseau numéro 16. Je l'allume. Je vérifie que ça a basculé vers le vert. Elle appartient au sous-réseau 16. J'ai configuré celle-là. Et j'ai configuré celle-là. Et donc, elle doit avoir une adresse IP différente des deux. Donc on va voir au niveau de la plage le sous-réseau numéro 16, c'est 17.254, donc j'ai forcément donné 17.254 et 17.253, donc je lui donne 17.252. Attendez, on va vérifier ici, donc on a donné 17.253 et on a donné 17.254, on va donner 17.252.
17, 252. Il nous manque ces deux interfaces-là, celle du sous-réseau numéro 11. On va juste checker laquelle. C'est la 1/0. Je l'allume et je lui donne l'adresse en réalité qui est la passerelle du PC numéro 25. 17.94. Sinon, j'aurais pu opter pour une configuration graphique au niveau de paquet tracer. Si on était sur matériel, on est obligé de connaître les commandes de configuration des équipements réseau. Il nous manque cette interface-là. C'est la... Attendez. C'est la 0/0 qui appartient au sous-réseau numéro 10. Maintenant, l'adresse IP, ce sera la passerelle de ce PC. Faire toujours attention au masque. Si on se trompe au niveau du masque, on aura des problèmes de connectivité au niveau du réseau et là, il faudra débugger, revoir toutes les configurations insérées, que ce soit au niveau des PC ou bien au niveau des interfaces des routeurs. On a terminé avec ce routeur-là, il nous manque 4 routeurs. Même chose. On continue ici, on va donner une adresse qui est différente de celle qu'on vient de donner maintenant, moins 1, donc ça sera .61. Et donc PC pour avoir la passerelle soit 62, soit 60-61. Donc en réalité c'est cette interface. On va juste voir laquelle. C'est là. On va mettre 0/0. Voilà. Interface face Ethernet 0/0. On l'allume. On vérifie que ça s'est allumé, oui. Et on lui donne l'adresse 61. 62-1. On continue avec les autres interfaces de ce routeur-là. Donc l'interface série. C'est laquelle? C'est la série 2/0. On l'allume, ça ne s'allume pas parce qu'on n'a pas encore allumé l'interface voisine. Elle va appartenir au sous-réseau 23. Sous-réseau 23 veut dire cette adresse IP. Et l'autre voisine, ce sera 221. Ce n'est pas obligé de suivre ça, mais suis-je. Ça permet juste de ne pas se tromper. On continue dans la lancée à configurer l'interface voisine pour ne pas oublier l'adresse si on veut. Donc l'interface série 2/0 au niveau de ce routeur. Alors interface série 2/0, ça s'est allumé. Adresse IP, moins 1. Suivi du masque. On revient par la suite quand on termine la configuration du routeur 8. Qu'est-ce qu'il nous manque au niveau du routeur 8? Il nous manque l'interface série 3/0. Ça ne s'allume pas. Ça appartient au sous-réseau 26, on cherche, donc ça sera 19.62. Suivi du masque. On continue dans la lancée à configurer
cette interface-là, série. Interface série, maintenant laquelle? Est-ce que c'est la 2? Est-ce que c'est la 3? C'est la 3. Ça va s'allumer maintenant quand je mets un no shutdown. Et je lui donne une adresse, moins 1, 61, suivi du masque. On revient à ce routeur après avoir terminé au niveau du routeur 8. On a terminé avec le routeur 8, donc on peut soit continuer, soit revenir vers le routeur 6. On continue. Donc l'interface Fast Ethernet, elle appartient au sous-réseau 12. 0/0. Ça sera l'adresse de la passerelle du PC numéro 23. Et on continue à configurer là l'interface série reliée au routeur, la 2. Ça s'allume pas, faut configurer l'autre interface en face et on lui donne une adresse IP du sous-réseau numéro 25. Donc 19.30, c'est la dernière adresse au niveau de la plage du sous-réseau numéro 25. Voilà. On a terminé, on passe à celui-là et on configure son interface série. Laquelle? C'est la 2/0. On l'allume, ça s'allume maintenant. Adresse IP, moins 1, 29, suivi du masque. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ce routeur-là et ce routeur-là. On revient vers celui-là. On configure son interface Fast Ethernet, C2. C'est l'interface qui appartient au sous-réseau numéro 13, donc c'est la passerelle du PC numéro 22. Voilà. Et on configure la deuxième interface Fast Ethernet, 1/0, qui appartient au sous-réseau numéro 14 et c'est la passerelle saisie au niveau du PC numéro 26. Donc là, 1790. Il nous manque ça et ça. Donc, les deux interfaces série appartiennent au sous-réseau 24. On va juste voir c'est laquelle. Série 3/0. Sous réseau 24, on vérifie au niveau de notre adressage, c'est la 18.254, suivi du masque. On continue à configurer maintenant l'interface voisine, c'est la série 3/0 également. On l'allume. Je pense qu'on a oublié d'allumer ici. Oui, on a oublié. Voilà, c'est bon. On revient ici, on saisit l'adresse IP, moins 1, donc 253. Il nous manque la dernière adresse de l'interface Ethernet, 0/0, on l'allume,
et elle appartient au sous-réseau numéro 15 et doit avoir l'adresse IP de la passerelle du PC numéro 27. 17.222. Suivi du mask slash 27 en décimal. Normalement, on a terminé la configuration des interfaces des 10 routeurs. Qu'est-ce qu'on nous demande maintenant? Donner les commandes iOS de configuration en détail, c'est ce qu'on a fait. Donc, la règle, c'est donc si on revient au fichier ici. Donc, pour configurer un routeur, on est en mode supérieur, mode utilisateur simple. Pour passer au mode utilisateur privilégié, on tape la commande Enable. Donc, routeur supérieur se transforme en routeur dièse, mode utilisateur privilégié. Les deux modes, ce sont des modes de lecture, où il n'y a que des commandes du style show. Sauf que mode utilisateur simple, on regarde des informations qui ne sont pas confidentielles. Mode utilisateur privilégié, on peut voir le fichier de configuration, on peut voir les tables gérées par le routeur, on peut voir les mots de passe, les clés, etc. Donc des informations qui sont confidentielles. Pour passer au mode utilisateur privilégié vers le mode de configuration du routeur, il faut taper la commande configure terminal. Routeur dièse va se transformer en routeur config dièse. C'est un mode de configuration du terminal. Ce qu'on veut configurer en réalité, c'est les interfaces du routeur. Donc, il faut passer d'un mode de configuration du terminal vers un mode de configuration d'interface. Donc, la commande, c'est interface. Nom de l'interface, c'est numéro de l'interface. Le nom, c'est Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Serial, etc. Numéro de l'interface 0/0, 1/0, 6/0, 2/0, etc. Quand on tape cette commande, routeur config dièse se transforme en routeur config if dièse. Config-6 if, if pour interface. Et si on saisit les commandes de configuration d'interface du routeur, parmi ces configurations, c'est l'attribution d'une adresse IP, IP address, adresse IP, suivi du mask en décimal. Quand on tape sur entrée, on est toujours au niveau du mode config if. Donc on ne change pas de mode. Les commandes configure terminal enable, ce sont des commandes qui permettent de changer de mode de configuration. Config if. Ce qui nous manque, c'est juste allumer l'interface via la commande no. Shut down. Voilà. Si on fait un exit, config if se transforme en config. Attendez. On est toujours dans config if quand on met le shutdown. Si on met exit, on rebascule ici. Si on met exit, on va rebasculer au mode utilisateur privilégié. Et si on met encore un exit au mode utilisateur privilégié, au niveau du mode utilisateur privilégié, on rebascule vers le mode utilisateur simple. Donc voilà à peu près, voilà les commandes à saisir pour chaque interface, pour chaque routeur. Et c'est ce qu'on a fait au niveau du simulateur. Qu'est-ce qu'il nous demande aussi? Saisissez toutes les commandes, c'est bon. Quels sont les pings qui marchent et quels sont les pings qui ne marchent pas? Alors, les pings qui vont marcher, ce sont les pings des PC au sein d'un même réseau logique. Par exemple, PC0 pourra pinguer PC1 aisément. Successful. Donc pour le ping, on peut soit cliquer sur le PC, commande prompt et taper ping suivi l'adresse IP, ou bien, puisqu'on est au niveau du simulateur, on clique sur l'enveloppe. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je reviens maintenant. On a au niveau du simulateur. Ici, on a cette enveloppe, donc ça peut résumer, ça peut faire un ping graphique plus simple au lieu de taper ping, adresse IP, etc. Donc vous cliquez sur l'enveloppe, vous cliquez sur l'émetteur et vous cliquez sur le récepteur. Voilà, regardez, vous avez en bas le résultat du ping. Vous avez soit successful pour dire que le ping il marche, soit failed. Ici aussi, vous avez entre PC3 et PC4 et PC5, ça va marcher parce qu'ils font partie du même réseau. Ici, entre PC6
Et PC celui-là, PC 8 par exemple, kiff kiff, ça donne successful. Donc les PC d'un même réseau local vont marcher, les ping d'un même des PC d'un même réseau local vont marcher, et les ping qui vont marcher aussi, ce sont les ping de PC de réseau voisin. Un réseau voisin, c'est un réseau qui est séparé d'un autre réseau uniquement par un seul routeur. Donc, sous-réseau 1, c'est le voisin de sous-réseau 2 et c'est le voisin de sous-réseau numéro 3. Donc, PC 1 pourra aisément pinger PC 29. Donc, le premier paquet ne marche pas en raison de la diffusion ARP. Maintenant, normalement, ça va marcher. Normalement, voilà, on a maintenant successful. Les premiers paquets sont perdus en raison des diffusions ARP. Donc les pings qui vont marcher, ça sera entre les PC voisins. Par exemple, PC 10 pourra pinger PC pourra pinger les interfaces du routeur ici, pourra pinger les interfaces du sous-réseau 23. Il pourra aussi pinger le PC 25. Par exemple, voilà. Ça a marché parce que, au niveau de PC 24, j'ai mis comme passerelle celle-là. Si j'avais mis comme passerelle celle-là, il aurait considéré le PC 25 comme un réseau non pas voisin, mais un réseau distant. Donc les pings qui marchent sont les pings au niveau d'un même réseau local, plus les pings au niveau des réseaux distants. Les pings maintenant qui ne marchent pas, ce sont les pings de réseaux distants qui sont séparés par plus d'un routeur, 2, 3 ou 4 ou plus. Voilà, comme cela, regardez, ces pings-là, ils ne marchent pas. Donc, il n'y a rien à voir avec ARP, etc. On a beau tester, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'au niveau de cette configuration, il manque encore une configuration à ajouter, qui est la configuration du routage. Donc, un routeur, pour qu'il puisse acheminer un paquet à destination, il devra, à chaque saut, consulter sa table de routage pour pouvoir diriger le réseau, diriger le paquet vers quelle interface. Il connaît les réseaux qu'il interconnecte, c'est pour ça qu'il arrive à faire en sorte que les PC des réseaux voisins communiquent, parce qu'au niveau de sa table de routage pour l'instant, il a des lignes de style connected au niveau de sa table de routage. On peut voir la table de routage, par exemple, via la commande en mode utilisateur privilégié, show IP route. Qu'est-ce qu'il a? Il a trois lignes en C. C pour connected. Il connaît le réseau 16.0, 16.32 et 16.64. Et ils nous disent que chaque réseau est directement connecté à quelle interface. Et donc, tous les pings qui se font entre ces trois réseaux, ils vont marcher. Parce qu'au niveau de la table de routage, il y a des lignes dédiées à ces réseaux. Les lignes concernant les autres sous-réseaux, c'est-à-dire les 23 autres sous-réseaux au niveau de la topologie, il n'y a pas de ligne. Au niveau de la table de routage, il doit y avoir une ligne pour chaque sous-réseau. Donc, il faut compléter la table de routage ici, par exemple, par 23 autres lignes. Donc, via ce qu'on appelle la configuration d'un routage. Quand on va configurer le routage, au niveau du devoir maison numéro 2, si on a, au niveau des tables de routage, des 10 routeurs, 26 lignes, donc pour 26 sous-réseaux, donc on connaît le chemin pour les 26 sous-réseaux, là, tous les pings au niveau de toute la topologie, ils vont marcher. Donc, tous les pings qui n'ont pas marché, ils vont marcher grâce à la configuration du routage. Donc, voilà pour la solution de ce devoir maison. Donc l'objectif, c'était de manier l'adressage IP, de manier le découpage d'adresses IP en sous-réseau, de gérer la création des réseaux physiques au niveau du simulateur, l'ajout d'interface au niveau du routeur, la configuration des PC
attribution d'adresse IP, masque et passerelle, et la configuration d'interface du routeur en utilisant la méthode graphique, la méthode embranchement en port console et la méthode qui consiste à saisir les commandes iOS au niveau de chaque routeur. Alors, juste pour cette partie de ce sous-réseau, comme j'ai dit, plusieurs solutions peuvent exister. Pourquoi ? Parce que ces interfaces-là peuvent appartenir à d'autres sous-réseaux, pas forcément 16. On aurait pu mettre ici 18, 17 ou bien 19. Et ici, on aurait pu mettre 16, 18, 17, 18, 19, sauf il faut faire en sorte que les deux interfaces ici, elles sont distinctes. On ne peut pas mettre 18, 18, ou bien 16, 16, ou bien 17, 17, ou bien 19, 19. Il faudrait que les deux interfaces appartiennent à des sous-réseaux différents. Donc c'est ça la règle à suivre au niveau de ce DM, c'est que les interfaces d'un routeur doivent obligatoirement appartenir à des sous-réseaux logiques différents.